Les beautés d'Hélène. Image tragique du désir. des plus célèbres et des plus discutés de l'Antiquité. Sa beauté était divine. Elle ressemblait extraordinairement aux déesses immortelles. C'est la plus belle des femmes, comme Aphrodite est la plus belle des déesses. Son destin exemplaire manifeste tout destin humain, comme pesé dans la balance divine. Et les beautés d'Hélène révèlent une femme qui n'est peut-être qu'un nom ou un mot pour lequel combattent les lances et s'entretuent les hommes, ainsi que le proclame l'Hélène de Ripide et que nous le raconte l'historien Pierre-Vidal Naquet. La préhistoire d'Hélène, elle est pour nous prodigieusement obscure et on ne peut pas séparer Hélène des grands textes qui nous la font connaître pour la première fois, c'est-à-dire essentiellement l'Iliade et l'Odyssée. Son nom est attaché à sa beauté, mais si j'ose dire, elle a, elle a tout un roman euh, familial, puisqu'elle est la fille de Léda et de Zeus. Et elle est issue euh, d'une sorte d'œuf euh, pondu euh, de façon assez étrange par euh, un signe euh, masculin qui est venu courtiser la belle Leda, et ce signe masculin, c'était Zeus. Et Leda a eu donc deux filles, Clytemnestre et Hélène d'une part, et deux fils qui sont les jumeaux, Castor et Pollux. Et dès le départ, si vous voulez, de la légende, Hélène, elle est la beauté par excellence. Et cette... Beauté fait d'elle une sorte d'objet de concours et la tradition veut que ce concours réunit tous les princes de la Grèce et l'un d'entre eux, Ménélas, obtient sa main sans obtenir forcément apparemment son cœur et tous les princes réunis autour d'elle s'engagent à combattre celui qui un jour porterait du tort à l'heureux élu. Autrement dit, avant même ce mariage, Hélène est déjà une sorte d'objet de rapt projeté. Et c'est, comme vous le savez, elle sera effectivement enlevée par un prince troyen, Paris. Alors cet enlèvement d'Hélène par Paris a donné naissance à quantité de légendes et de mythes dans l'Antiquité, mais aussi de nos jours, naturellement, car c'est un thème qui n'a cessé d'être traité. Alors dans l'Antiquité, c'est le mythe auquel on trouve déjà des allusions dans Homère, sans que ça soit détaillé, c'est le mythe du jugement de Paris. En effet, Paris berger sur sa montagne de Lida, Paris enfant abandonné qui est devenu un prince splendide mais berger de son état, Paris voit arriver trois déesses qui euh, veulent savoir quelle est la plus belle d'entre en, elles. C'est la fameuse scène qui sera euh, illustrée de tant de façons, par exemple par Offenbach dans La Belle Hélène. voyez que ces pour enjouer les garçons, voyez que ces déesses ont de drôles de façons. Mais déjà, dans l'Antiquité, Lucien avait euh, fait ce genre de plaisanterie. Euh, sur ces déesses qui se déshabillent dans la montagne, dans l'esprit qui sera celui d'Offenbach. Naturellement, Paris choisit la beauté qui s'allie à la fécondité, mais justement Hélène ne sera pas féconde avec Paris, et il enlève Hélène. Là encore, cet enlèvement d'Hélène par Paris va multiplier les mythes modernes. Par exemple, Édouard Drummond, dans la France juive, a fait de Paris un juif qui ne se contentait pas d'enlever Hélène, mais qui enlevait aussi tous ses biens, tous ses trésors. Autrement dit, c'était vraiment l'Orient juifs qui venait euh, piller l'occident à rien mais cet enlèvement va être euh, la cause par excellence donc de la guerre de troie Non, ou nemesis Troas, Caïuc nemidas Acaïus, Toyed qui Polune, Chronon, Algea, Pascaïn. Il n'y a pas lieu de blâmer les Troyens ni les Achéens aux bonnes jambières. si pour telle femme, il souffre de si longs mots. Elle a terriblement l'air quand on l'a devant soi des déesses immortelles. Ainos, Athanatesi, teas Eis, Opa, Oiken. quand on la regarde sous le nez, quand on la regarde au visage. Alors justement, la, la beauté d'Hélène s'identifie beaucoup à la, à la guerre de Troie. La beauté d'Hélène, c'est la cause de la guerre de Troie. Et euh, un moment capital, si vous voulez, de l'Iliade, c'est ce que les Hellénistes appellent la teikoscopie, c'est-à-dire la vue depuis les remparts. C'est la fameuse scène où euh, Hélène accompagne Priam pendant une trêve sur le rempart de Troie et lui désigne l'un après l'autre les guerriers du camp ennemi puisqu'elle est la seule à connaître les deux mondes. Et c'est à cette occasion, et traduisant à peu près littéralement Homère, que Ronsard a écrit le poème fameux, n'est-ce pas, qui commence par Il ne faut s'ébahir, disaient ces bons vieillards. Si une femme si belle, enfin je, je résume, a causé euh, une pareille guerre, car euh, notre mal ne vaut pas un seul de ses regards. La Ronçard, au fond, ne fait que traduire euh, ce spectacle de cette beauté, de cette beauté qui, dans un air, si vous voulez, ne bouge pas. Hélène est une beauté, en quelque sorte. Intemporel. Alors souvent on s'en est moqué dans un dessin de Daumier, on voit Ménélas emportant Hélène après la victoire des Grecs au moment de la guerre de Troie, et c'est une petite vieille accroupie, comme aurait dit encore Ronsard, et lui-même, il est bedonnant, affreux, etc. Mais dans le monde homérique, de même que Nestor est le vieillard, Hélène est la beauté et exclusivement la, la beauté. Et elle est la beauté qui permet toutes les transgressions. Et je ne donnerai qu'un exemple, mais caractéristique. Quand Paris affronte Ménélas, il va être tué mais Aphrodite l'emmène dans une nuée en pleine journée il retrouve Hélène et ils font l'amour de jour or faire l'amour de jour c'est un interdit dans le, le monde américain et il n'y a que deux exemples du contraire l'un c'est justement cette scène nuptiale euh, si je puis dire entre Paris et Hélène en plein jour et l'autre ce sont les noces répétées de Zeus et des rats en plein jour également sur le sommet du mont Ida. Alors, il y a, ce sont les tragiques qui ont fait euh, d'Hélène ce personnage euh, fatal et maudit qu'elle est devenue. Mais ce n'est pas le cas de l'épopée. Dans l'épopée, Hélène, elle offre quelques particularités très notables. Elle est avec Achille un des rares personnages qui soit aussi. Un artiste. Elle brode, elle travaille sur une tapisserie, elle est une sorte d'aède à sa façon, de même qu'Achille. Et quand on la décrit dans l'Odyssée, elle est toujours la belle Hélène et elle est liée dans le voyage que fait Télémaque. À la recherche de son père, cette fois-ci euh, il y a 20 ans depuis le début de la guerre de Troie, et bien elle est là avec ses breuvages euh, magiques. Et alors, à partir de tout cela, il va se développer toute une série de légendes, car Hélène pouvait-elle être à la fois belle et coupable Autrement dit, avait-elle ce que nous appellerions. Aujourd'hui, la beauté du diable. Et c'est le poète Stésicore, au VIe siècle avant notre ère, deux siècles après Homère, un siècle et demi peut-être après l'Odyssée, qui inventera une nouvelle forme de la légende qui sera reprise ensuite par Euripide. Le thème est le suivant. La véritable Hélène n'a jamais été à Troie. Ce qui a été à Troie, c'est un Eidolon, un fantôme d'Hélène. Et Paris n'a jamais étreint un qu'une nuée. Où était pendant ce temps-là Hélène Elle était en Égypte, sous la garde de Protée. Personnage, symbole des transformations successives. Et Euripide tirera de cela une tragédie. Nous n'avons que quelques vers du poème de Stésicore, mais nous avons l'Hélène d'Euripide tout entière. Le thème premier est quand même le suivant. Nous autres Troyens et nous autres Grecs, nous sommes. Trouer la peau pour un fantôme. Pendant ce temps-là, Hélène se trouvait tranquillement en Égypte. Et c'est là que l'art retrouve, dans la pièce de Ripide, son mari Ménélas. Et elle ne l'a jamais trompé, Ménélas n'est pas le roi des cocus et cela se termine par des retrouvailles émues. Alors naturellement la pièce d'Euripide, elle est en réalité infiniment subtile et mon ami américain Charles Segal a montré que il y avait là toute une série d'analyses à faire et c'est évidemment il y a l'arrière-fond à la guerre du Péloponnèse et le désespoir d'un athénien Euripide devant ce grand massacre inutile. Hélène parle d'abord et Ménélas répond. Quand tu me regardes, ne te paraît-il pas que tu vois ton épouse Le corps est semblable, mais la clarté me retient. Examine, que te manque-t-il Mais qui en sait plus que toi-même Tu ressembles, oui, je ne le nie pas. Qui t'enseignera sinon tes propres yeux Ce qui me rend malade, c'est que j'ai une autre épouse. Je ne suis pas allé en terre troyenne, c'était une idole. Et qui donc réalise des corps qui ont un regard? Les terres, d'où tu tiens un lit ouvré par un dieu. Quel est le rapport d'Hélène et de et, et de Paris à Troyes? C'est un rapport amoureux, mais c'est un rapport stérile. Ce qui est une chose tout à fait étrange. Vous savez, le monde de l'armée achéenne, c'est un monde stérile. Vous avez là des guerriers certains ont des compagnes avec lesquelles ils font l'amour. C'est le cas d'Achille, par exemple, avec Briseis. Mais ces étreintes ne donnent naissance à personne. Au contraire, on fait valoir, euh, d'habitude et à juste raison, que Troie est une société complète. C'est-à-dire qu'il y a des guerriers, certes, mais il y, a, euh, il y a des épouses et il y a normalement des enfants. Mais de tous ces enfants, un seul nous est présenté, c'est le petit astyanax, fils d'hector et d'andromaque. et c'est la scène fameuse, n'est-ce pas, des adieux d'hector et d'andromaque, où l'on voit le personnage riant à travers ses larmes. c'est la première fois que dans notre littérature qu'il y a cette expression destinée à faire fortune. mais hélène, elle, ces embrassements sont absolument stériles. Et la fille qu'elle a eue, elle l'a eue à Sparte, c'est Hermione, et cette Hermione va devenir le personnage que l'on connaît chez Euripide et aussi dans bac de Racine. Est-ce qu'Hélène complexifie l'étreinte de l'homme qu'elle étreint Non. Mmh complexifie ou simplifie. Non, elle est là en quelque sorte pour faire l'amour, mais elle est là aussi pour représenter la beauté. Je veux dire que l'objet de la querelle, c'est la beauté, et la beauté, je veux dire que la dimension esthétisante de la vie, va être, si vous voulez, un des traits fondamentaux de la culture grecque. Et cette beauté d'Hélène, on la retrouve dans l'Iliade, mais on la retrouve chez les lyriques, on la retrouve chez les tragiques, on la retrouve dans l'art et dans le dans l'art plastique et dans la sculpture et dans la céramique et avec les fameuses légendes qui veulent que une coupe parfaite ait été modelée sur le sein d'Hélène. Par conséquent, cette dimension esthétique qui est absolument fondamentale dans la littérature grecque, c'est Hélène qui l'incarne. Vous parlez d'une dimension esthétique, est-ce qu'il y aurait des traces d'une dimension euh, analytique Est-ce qu'il y a des traces du drame que vit Hélène à cause de la beauté Si vous voulez, il y a des traces non pas d'un discours euh, intérieur euh, d'Hélène, ça on en envoie guerre. Mais on a des traces, si vous voulez, de cette réflexion sur Hélène, cause de la guerre. Et ça, ça apparaît d'une certaine manière déjà dans l'Iliade, mais ça apparaît dans Hérodote, dès le début d'Hérodote. Quand Hérodote se demande quels sont les précédents des guerres médiques, eh bien, le grand précédent, c'est évidemment l'enlèvement d'Hélène, et c'est ce que un historien anglais, Sir John Myers, appelait, drôlement, Chercher la femme conception of history. Une conception de l'histoire qui se fonde sur le chercher la femme. Alors tout au long de la littérature grecque, il y aura cela, et cela reviendra euh, ensuite euh, chez nous. Et le grand euh, dramaturge euh, d'Hélène euh, dans le monde du XXe siècle, c'est évidemment Giraudoux. Avec la guerre de Troie, n'aura pas lieu. Et dans Giraudoux, vous avez euh, cette scène fameuse où l'on essaye de faire croire aux Grecs euh, qu'Hélène a été respectée par Paris. Et les matelots qui les ont accompagnés euh, expliquent le contraire. Et. Chez Giraudoux, cet aspect, cette dimension dont vous parlez d'Hélène, existe évidemment, mais elle existe, si vous voulez, dans le cadre de ce qu'était la pensée de Giraudoux sur les femmes, et qui peut se résumer par euh, ce mot qu'on lit dans Sodome et Gomorre Une fois déjà, j'ai entendu la femme bavarde, et le lendemain, c'était le déluge ça c'est si vous voulez le côté euh, fatalité féminine qu'a admirablement euh, exploité euh, Giraudoux, mais qui d'une certaine manière était déjà euh, chez les grecs avec encore une fois cette nuance que il vaut la peine de mourir pour la beauté. Isocrate et le Génène, paragraphe 54 57. Quant à moi, je me sens en droit de faire appel aux plus hautes inspirations de l'art oratoire pour parler d'Hélène, car elle participait à la plupart des privilèges de la beauté, le plus vénéré, le plus précieux, le plus divin des biens. De ce bien, il est facile de déterminer la puissance. Parmi les qualités qui ne tiennent ni du courage, ni de l'expérience, ni de la justice, beaucoup semblent plus appréciées qu'aucun de ses mérites. Par contre, tout ce qui est privé de beauté demeure sans charme, tout est méprisé. Sauf ce qui bénéficie de cette forme-là. On peut comprendre aussi combien la beauté l'emporte sur les réalités matérielles en considérant les dispositions dans lesquelles nous nous plaçons à l'égard de chacune d'elles. Lorsque nous sommes pris du besoin d'une chose, nous avons simplement la volonté de la posséder. L'élan de notre âme vers elle ne se porte pas au-delà. Par contre, le désir passionné de la beauté, lorsqu'il pénètre en nous, dispose d'une puissance qui surpasse d'autant plus aisément la force de la volonté. Que le rayonnement de la beauté est plus intense. Les êtres qui possèdent la beauté, dès que nous les apercevons, nous nous sentons bien disposés à leur égard. Ils sont les seuls avec les dieux que nous ne renonçons jamais à servir. Nous avons plus de satisfaction à devenir leurs esclaves qu'à commander aux autres. Quel est le destin d'Hélène de, après euh, Troyes, après Paris Elle retourne tranquillement chez Ménélas, euh, où elle est une reine euh, toujours souverainement belle. Il n'y a dans l'Antiquité, à ma connaissance, aucune de ces représentations euh, d'Hélène euh, vieille et égrottante comme celle euh, de Daumier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle est la reine de Sparte et elle est surtout liée dans l'Odyssée à ce monde de la magie qui est symbolisé par l'Égypte. L'Égypte, pour les Grecs, c'était le lieu des poisons et de la magie. Et euh, Hélène possède euh, ces liquides susceptibles notamment euh, d'endormir, et c'est comme tel qu'elle qu apparaît au jeune Télémaque à la recherche de son euh, père. Comment expliquez-vous la fortune d'Hélène à travers tous les siècles Et chez quand même beaucoup, beaucoup d'auteurs. Oh écoutez, cette fortune, elle est liée à trois. Il y a une fortune d'Hélène, mais il y a aussi une fortune d'Hector, il y a une fortune d'Ulysse. Après tout, songez qu'on a pu écrire un livre sur le mythe d'Ulysse à travers les âges, et que le roman qui a en quelque sorte fondé la littérature moderne, c'est l'Ulysse de James Joyce, qui est une reprise de tous les thèmes odysséens. Mais à partir d'un lieu bien particulier qui est Dublin, capitale de l'Irlande au début de ce siècle, et où les cyclopes, par exemple, sont représentés comme des nationalistes. Alors, naturellement, Ulysse est une chose et Hélène est l'autre, mais dans la mesure où notre culture a constamment repris les thèmes de la culture antique et qu'Hélène incarnait la beauté, il était inévitable que cette apparition de la beauté sur le rempart de Troie devienne un thème permanent de notre littérature. Comment essayer ensemble de recomposer la réalité d'Hélène à travers la, les mythes et aussi à travers les textes euh, Je pense que c'est une entreprise en fait impossible. Je veux dire que recomposer la réalité d'Hélène, euh, c'est peut-être la meilleure et la plus mauvaise question que vous puissiez me poser, dans la mesure où euh, ce qui frappe, dans les textes grecs en tout cas, c'est qu'Hélène n'a pas de réalité. Ou plus exactement, elle en a une si insignifiante quand on lit, par exemple, les très rares passages qu'Homère lui consacre. Si on regarde ce qu'elle appelle elle-même sa personne, Hélène n'est pas un personnage intéressant et, à la limite, même pas un personnage. Ce qui, évidemment, est intéressant chez Hélène, c'est tout autre chose qu'Hélène. C'est-à-dire c'est l'effet qu'a produit Hélène. Et c'est vrai à ce point que ensuite, après Homère, je veux dire, les versions les plus contradictoires, les plus extravagantes, mais en même temps certainement les plus profondes, ont circulé sur son compte. Alors ensemble, essayons justement de, de voir les effets d'Hélène, et puis peut-être essayons de remonter jusqu'à la cause. Alors la cause. C'est la beauté, et c'est surtout la lutte pour la beauté, puisque c'est à propos de cette querelle concernant la beauté même, justement, que tout a commencé. Or, cette querelle, c'était une querelle entre déesses, c'est-à-dire que Eris, la discorde, qui est elle aussi une déesse, est née entre les, ces fameuses trois déesses que sont Héra, Athéna et, et Aphrodite, à propos, justement, de la beauté. Or, comme on sait, celle qui l'a emportée, c'est celle qui a promis la beauté même. C'est-à-dire que les deux autres ont promis le pouvoir. Héra a promis la, la domination sur l'Asie, Athéna le triomphe à la guerre, quelle que soit cette guerre, et Aphrodite, elle a promis la plus belle des femmes, c'est-à-dire la beauté même et la jouissance de cette beauté. C'est-à-dire qu'elle a promis, en fait, une illusion. Puisque, comme on sait, Paris, finalement, n'a pas joui d'Hélène, je veux dire que l'a euh, emporté, il l'a possédée, si on admet la, la version américaine mais dans Homère, Hélène est une euh, brave épouse qui ne cesse de regretter sa patrie, son mari, et qui s'accuse dans les deux scènes en fait, où elle apparaît dans l'Iliade, et qui se nomme elle-même, ce qui est pas sans signification, face de chienne, face de chienne comme le malheur ou comme celle de la mort. Bon. et qui se, se sent coupable. Bon. Et de telle sorte qu'on peut dire que Paris ou Alexandre, suivant son nom grec, n'a jamais vraiment possédé Hélène. D'ailleurs, il y a cette scène tout à fait extraordinaire où Paris, ayant fui devant Ménélas, a été transporté par Aphrodite dans sa couche, et là, il attend Hélène en lui disant ⁇ Je te désire euh, comme je ne t'ai jamais désiré euh, auparavant ⁇ et il faut qu'Aphrodite verse sur la tête d'Hélène un certain nombre de parfums et d'incantations pour qu'Hélène éprouve du désir pour Paris, car sans Aphrodite, elle n'en éprouve pas. Et ce qui est très évident quand on lit encore une fois Homère, elle est la plus belle des femmes, mais il ne faut pas oublier non plus que cet épithète homérique, bon, la plus belle des femmes, s'applique chez Homère à beaucoup d'autres femmes, pas seulement à Hélène. Donc qu'est-ce que c'est qu'Hélène finalement eh c'est celle pour qui on se bat, pour qui on meurt, qu'on veut reprendre ou qu'on ne veut pas rendre. Et tous ceux qui meurent pour elle ne veulent pas jouir d'Hélène. Ça, c'est réservé, soit à Paris dans un cas, soit à Ménélas dans l'autre. Ce qu'ils veulent, c'est savoir où doit être Hélène. Et c'est la question que depuis le début, tout le monde se pose c'est où est Hélène je crois que c'est ce qu'il y a de plus profondément grec, c'est cette idée qu'en fait, on s'est battu pour un mot, pour un mirage, et que la beauté, c'est ça. La beauté a été l'objet d'une querelle chez les Déesses. Elle a été l'objet d'une guerre qui a entraîné la destruction de Troie, mais aussi on va oublier la mort de presque tous les Grecs. Or, cette beauté-là, on ne sait pas finalement où elle est, puisque selon Hérodote et Euripide. Hélène pendant tout ce temps était une épouse fidèle qui attendait patiemment son mari en Égypte. Et alors pourquoi s'est-on battu Et là, le texte, je pense, le plus intéressant sur Hélène, c'est l'éloge d'Hélène d'Isocrate. Je crois qu'Isocrate a exactement compris que la question était là où doit être Hélène En Asie chez les Troyens ou en Europe Parce que là où est Hélène, c'est-à-dire là où est la beauté, là est la civilisation. Et si on meurt, on meurt pour, j'ai envie de dire une idée, cette idée de la beauté, et pour surtout dire, celui chez qui se trouve Hélène, celui-là n'est pas un barbare. Autrement dit, les Grecs ont voulu reprendre, disons, Hélène, parce que être grec c'était reprendre la beauté, faire de la Grèce son domicile, et c'est ce qu'Isocrate dit admirablement. Là. Beauté, dit-il, c'est le, le plus grand des dons. Or, c'est un don que seuls les dieux peuvent donner. C'est de l'ordre du don, c'est-à-dire, c'est précisément ce qui peut être donné, ce qui peut se refuser, mais c'est ce qui se donne ou ce qui ne se possède finalement jamais. Mourir pour Hélène, ça donne un sens au malheur, à la mort, du même coup à la vie. Au moins, on meurt pour quelque chose, puisque de toute façon, on meurt. Bon. Et là, on meurt pour la beauté. Isocrate conclut en disant c'est grâce à Hélène que s'est faite l'unité de la Grèce et c'est grâce à Hélène que les Grecs n'ont pas été des barbares. Mais néanmoins, un des attributs de la beauté reste la jouissance. Alors, vous avez dit tout à l'heure, Aphrodite promet la beauté et la jouissance. Mais la jouissance pour Hélène ou pour l'autre J'ai envie de dire, ni pour Hélène, ni pour l'autre. Hélène, certainement pas. Hélène n'est pas du tout un personnage de jouissance, bien ou Mais comment le savez-vous à partir dans, dans de quel texte dans, te dans tous les textes grecs, évidemment mm -hmm. pas chez Homère, puisqu'encore une fois, il faut toujours l'intervention d'Aphrodite pour que elle y aille, et j'ai presque envie de dire euh, à contre -cœur. Bon, dans l'apologie faite par Gorgias, par Isocrate, bon, bien entendu, elle n'est pas coupable, et par conséquent, la jouissance n'est pas de son côté. Dans la tragédie de Ripide, elle n'était pas avec Paris, donc elle n'a pas pu éprouver quelque jouissance que ce soit, sinon peut-être avec Ménélas, mais ça nous n'en savons rien. Bon, quant à Paris, il cherche une jouissance qu'en fait euh, il ne trouvera finalement qu'en mourant. Bon. je crois que le problème n'est pas, c'est justement c'est celui d'une jouissance qui perpétuellement se dérobe. On ne peut pas jouir de la beauté. Là encore, c'est une phrase très profonde d'Isocrate. Il dit on peut jouir de tout, du pouvoir, du bien matériel, etc. Pas de la beauté. La beauté, on la sert, on s'en fait l'esclave. Bon. on la regarde parce qu'elle est justement toujours. Et je crois que ça c'est très très profondément grec, la beauté c'est l'épiphanie du divin dans le sensible, dans les choses, dans le monde, si vous voulez. C'est l'auto-transcendance du monde, c'est ce qui fait que le monde, au lieu d'être ce lieu, qu'il est aussi, de souffrance, de malheur, de mort, bon, euh, auquel nous sommes condamnés, euh, etc., la beauté c'est littéralement ce qui, c'est ce que dit Nietzsche beaucoup plus tard euh, en parlant des grecs, <laughs> c'est ce qui justifie à la fois le monde et la vie. Bon. Et c'est cette façon qu'ont certains corps, et le corps d'Hélène en particulier, d'être autre chose que ce qu'ils sont, c'est-à-dire de participer littéralement à ce charme. Alors, les termes de sorcellerie, de charme, d'enchantement, de filtre, enfin, bon, sont constamment employés quand il s'agit d'Hélène. La beauté est un charme. Et comme c'est un charme, ce charme n'agit pas dans la possession. Posséder un corps. J'ai envie de dire, quel que soit ce corps, c'est toujours posséder un corps. La beauté, ça ne se possède pas, ça se voit de loin. Et encore une fois, pour reprendre le mot d'Isocrate, ça se sert. Et c'est la seule chose, dit Isocrate, qui vaut la peine d'être servie, parce que précisément, ça ne rapporte rien de la servir. Ou plutôt, ça rapporte ce dépassement de soi, c'est-à-dire ça rapporte du sens. Dire. Encore une fois, mourir pour Hélène, c'est pas mourir pour rien. Hérodote a un texte. Bon, Hérodote est un affreux bonhomme qui n'a que du bon sens et qui ricane perpétuellement. Quand il raconte l'histoire d'Hélène, il dit Mais enfin, raisonnons, c'est impossible. Les Troyens n'étaient pas fous, les Grecs non plus. Les Troyens, ben, ils auraient rendu Hélène immédiatement. Les Grecs, pourquoi ont-ils été se faire massacrer pour rechercher une femme alors qu'il y en a 2000 autres Bon, donc pourquoi est-ce que tout ça s'est passé Il n'y a qu'une seule explication c'est parce que les dieux l'ont voulu et qu'ils ont rendu les uns et les autres fous. Donc les dieux voulaient se venger. Mais sinon, toute cette affaire est totalement incompréhensible. Et je crois que Hérodote se trompe, si vous voulez, quand il dit que ce sont les dieux, peut-être qu'ils renvoient le problème ou qu'ils le déplacent. Parce que justement, les Grecs et les Troyens ne se battaient pas, encore une fois, pour une femme. Hélène, ce n'est pas une femme, c'est le nom même de la beauté, c'est tout. Encore une fois, elle n'était pas belle. Donc, qu'est-ce qui fait la beauté d'Hélène, sinon précisément cette acceptation de me plaît peur. Ami, à quel destin suis-je donc enchaînée Ma mère m'a-t-elle donc enfantée pour être la stupeur du genre humain Il n'est pas en effet de femme grecque ou barbare qui produisent à la lumière le fruit de ses entrailles recouvert d'une blanche coquille, comme les dames enfantées par les œuvres de Zeus. Oui, ma naissance, ma vie, tout en moi suscite la stupeur. Je le dois à Hera, je le dois aussi à ma beauté. Que n'a-t-on brouillé mes traits comme on efface un dessin Que n'ai-je échangé cette beauté contre des formes repoussantes pour qu'en même temps de l'esprit des Grecs s'efface ma présente infortune et que leur mémoire garde le souvenir de mes prospérités aussi fidèlement qu'elle retient celui de mes malheurs la haine des dieux lorsqu'elle ne frappe qu'un seul point d'une existence est déjà lourde. Il faut pourtant s'y résigner. Mais moi, que de coups ne m'ont-ils pas porté D'abord, sans avoir fait de mal, je suis déshonoré. Et c'est un sort plus triste que celui d'un vrai coupable d'être accusé d'un crime que l'on n'a pas commis. Et jusqu'au bout, accablé du destin, je vois tout mourir en moi sans mourir moi-même. Mais voyez comme j'ai touché le fond de la misère. C'est la beauté qui fait le bonheur des autres femmes. Et moi, c'est justement ma beauté qui m'a perdue. Est-ce que vous pensez que Hélène euh, est victime d'un triangle Ou plus exactement, est-ce que vous pensez que Ménélas serait un complice inconscient de, de Paris Ménélas, alors là, est un personnage très étrange. Car il ne faut pas oublier qu'Hélène l'a choisi. l'a choisi parmi euh, d'autres prétendants, euh, parmi lesquels se trouvaient euh, Achille, Ulysse, enfin bon, euh, pas n'importe qui. Or, c'est Hélène qui a choisi Ménélas, parce qu'il était beau, d'abord lui aussi, très beau, dit Homère, et parce qu'il était brave, et parce qu'il était bien né, et parce qu'il était riche. Bon. Alors, quand dans Euripide, il se retrouve face à la véritable Hélène, alors qu'il a repris à Troyes une, un fantôme une vapeur qui va d'ailleurs s'évanouir dans les airs une fois que la vraie Hélène sera retrouvée il ne veut pas reconnaître la véritable Hélène et Hélène se, se, se désole et il lui dit tu ne peux pas être la véritable Hélène en témoigne mes exploits devant toi mais il est tout à fait évident qu'il est beaucoup plus content avec son fantôme que d'être face à ce qui n'est après tout qu'une femme et une femme qui, euh, si, euh, si on fait ses comptes, euh, doit avoir à peu près 50 ans. Hein. Donc il y a dans le personnage de Ménélas, pas une complicité, mais j'ai envie de dire que Ménélas sait ce que tout le monde sait, à savoir que la plus belle femme du monde, d'abord, ne peut donner que ce qu'elle a, et que donner ce qu'elle a, c'est affreusement décevant, et que par conséquent, il vaut mieux vivre avec un, un fantôme de beauté qui, lui, au moins, reste beau quoi qu'il arrive. Enfin. Alors, quant à Paris, c'est un instrument, comme on sait. C'est dans le que le personnage finalement est le plus intéressant parce que d'abord il apparaît comme un, un belâtre, comme dit son frère Hector, un lâche, mais en même temps lui aussi est beau et même il est plus peut-être question de la beauté de Paris pour justifier précisément l'amour d'Hélène ou le désir d'Hélène à son égard et sa fuite à supposer donc si on admet qu'elle a été vraiment coupable. Euh, Paris est très beau et ensuite va finir par devenir courageux et par mourir. Mais c'est un personnage, bon, comme tous les personnages euh, méritent d'ailleurs, on ne va pas chercher de la psychologie chez les personnages de mer. C'est un personnage qui est toujours donc au service d'un destin qu'il dépasse et qui, dans son cas, est, est parfaitement ambigu. Mais ce qu'on peut noter, c'est que si Hélène a par moments euh, quelques remords, ou en tout cas euh, en témoigne, chez Amère, alors paris lui jamais euh, jamais il ne se repent euh, d'avoir pris hélène et il faut pas oublier qu'il a pris hélène mais aussi tous les trésors d'hélène bon. et par conséquent euh, le, le trio là encore je crois vraiment pas euh, qu'il y ait trio ils n'ont ils n'ont aucun aucun rapport euh, entre eux, ces trois, ces non, trois mais, personnages. Qu'est-ce qui qu -ce qu passe, qu'est-ce qui passe des deux hommes à travers Hélène Eh bien, leur euh, uniquement leur rôle dans une histoire. Et je crois que ça, euh, c'est simplement. Euh, le propre de l'épopée grecque. Je veux dire que, encore une fois, vous n'allez pas chercher une profondeur psychologique euh, dans l'épopée homérique. Bon, ça il y en a jamais. Euh, sauf encore une fois, quelquefois pour Hélène, qui, elle, se, se repent. Mais se repent de façon de rester euh, et se lamente d'être loin de sa patrie. Mais euh, ce qui passe euh, chez Hélène est encore très ambigu, puisque elle regrette très visiblement son époux, euh, pas Ménélas, mais enfin. Il se trouve que, que cette épouse est Ménélas. Bon. Elle regrette son époux et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la respectabilité, car elle se lamente beaucoup aussi sur le fait que son nom est devenu symbole de honte, maudit par les Grecs, par les Troyens et par le monde entier. Bon, Donc elle regrette euh, sa fonction d'épouse, donc son époux. Et par ailleurs, elle euh, n'a aucune espèce, euh, en tout cas elle n'en témoigne jamais. Euh, d'estime ou d'amour pour Paris, ça c'est euh, bon, peut-être de désir, mais le désir est toujours, passe toujours par Aphrodite et il faut toujours qu'Aphrodite fasse repartir si j'ose dire euh, le désir d'Hélène et c'est probablement le seul, le seul rapport qu'ils aient entre eux en revanche, à la mort d'Hector, Hélène témoigne beaucoup d'affection pour Hector une affection qu'elle ne montre jamais euh, à Paris par exemple donc ils sont, ce sont deux fonctions, l'un est l'amant l'autre le mari, et Hélène euh, vit cette, cette ambiguïté là et l'ambiguïté est beaucoup plus forte d'ailleurs dans l'Odyssée car Hélène joue un double jeu tout à fait effrayant puisque euh, quand, euh, et, euh, au passage d'ailleurs relaté l'épisode du, du, du cheval euh, on sait que euh, Ulysse était d'abord introduit dans trois euh, déguisés en mendiant Hélène le reconnaît mais ne dit rien puis ensuite, quand le cheval est introduit et que les Troyens délibèrent pour savoir ce qu'ils vont en faire de ce cheval, et comme on sait, certains sont méfiants et proposent de le précipiter du haut du rocher, parce qu'ils ne pas très rassurés. Hélène tourne justement euh, trois fois euh, autour du cheval, appelant euh, chaque guerrier grec par son nom, en prenant la voix de sa femme. De telle sorte que chaque guerrier a envie de répondre, puisqu'il entend la voix de son épouse chérie qu'il a abandonnée depuis dix ans. Et... À ce moment-là, Hélène devient l'alliée des Troyens. Donc elle est tour à tour l'alliée des uns, l'alliée des autres, sans en éprouver, là, pour le coup, aucune espèce de, de trouble de conscience à supposer qu'elle en est une. Bon. Donc, je crois qu'on ne peut pas séparer. Euh, c'est, encore une fois, euh, quelquefois décevant pour nous, mais c'est la beauté aussi de cette écriture et de cette... Euh, de ce qu'on appelle l'épopée, on ne peut pas séparer les personnages de ce qu'ils font. Or Hélène fait des choses étranges, c'est tout ce qu'on peut dire. Parmi les, les, les effets de la beauté d'Hélène Alors, les effets sont... Je résume dans ce mot. C'est vraiment la destruction. Hélène a tout détruit. Elle a détruit, bon, alors, évidemment, trois. Bon, trois tout entière, jusque dans ses fondements, L existence même d'une cité. Elle est la cause de la mort des plus nobles des Grecs. Mais il ne faut pas oublier que sa mère, Leda, euh, s'est suicidée en raison du déshonneur euh, apporté par Hélène. Que sa fille, Hermione, euh, vit, a grandi dit, euh, dans la solitude, le mépris de tous euh, et l'abandon. Bon. Hélène n'a apporté que la destruction si on s'en tient justement aux faits. D'un autre côté, on ne peut pas s'empêcher de penser que euh, ces jeunes hommes devant les murs de Troie et qui y restaient si longtemps euh, s'amusaient beaucoup plus à être là. Je me suis toujours dit que d'ailleurs qu Ulysse, euh, s'il avait vraiment voulu rentrer euh, tout de suite à Ithaca, il s'y serait pris tout autrement. Bon. Euh, Est-ce que, est -ce que ces jeunes hommes, si beaux, si forts, ne s'amusaient pas plus à faire la guerre et encore une fois, à... Euh, Trouver une exaltation, un sens. Enfin, il ne faut pas oublier qu'Achille a le choix. Et Achille préfère mourir devant à cause de Patrocle, admettons. Enfin, il préfère tous la mort, la lutte, le triomphe, donc l'immortalité, euh, à la vie euh, de chacun dans sa petite cité, auprès de sa bonne épouse fidèle. Et comme, encore une fois, euh, si on réfléchit à l'Odyssée, on se dit qu'il y a beaucoup de choses qu'Ulysse fait, aurait faites, ou n'aurait pas faites, s'il avait vraiment eu envie de paix. Donc Hélène, c'est la, la guerre, c'est la lutte. Elle est toujours liée à la lutte, elle est toujours liée à l'affrontement dès le début, puisque elle, tout part de la lutte entre les déesses. Et ensuite, sa beauté est toujours ce qui engendre la lutte, le conflit, le combat. Bon. Est-ce qu'on ne se sent pas plus vivant dans la lutte, le conflit, le combat Comme dira Freud bien plus tard, hein, c'est la, la mort et le danger et la guerre qui rendent la vie intéressante euh, que dans la paix. Est-ce que l'effet de la beauté... Pour, en tout cas pour les Grecs, l'effet de la beauté c'était ça. C'était d'éveiller véritablement la rivalité, la guerre, la lutte, donc le sentiment d'être en vie. Je crois que c'est tout à fait fondamental. Ils pas envie de vivre vieux auprès de leurs épouses, je ne crois pas. C'est bien pour ça d'ailleurs que, <laughs> que c'était un peuple épique, il ne faut pas oublier. Euh, plus nous, par exemple. Plus nous. <laughs> Quel est son rapport au plaisir et au, et au, au désir et au statut amoureux et au, au langage amoureux, au badinage amoureux par exemple Alors, dans les, dans les textes grecs, je peux vous répondre d'un mot, c'est très simple, aucun. Elle n'a aucun. Euh, les, les deux monologues que lui consacre Mère, la tragédie que lui consacre Répide, euh, les éloges, encore une fois, que lui consacre Gorgias ou Isocrate, dans, à aucun moment, Hélène n'emploie le langage de l'amour. Celui de la culpabilité, oui. Euh, celui de l'amour, jamais. Celui de la fidélité, mais jamais celui de l'amour. Euh, Hélène n'est pas une amoureuse. Et les coupables par rapport à quoi De la perte euh, la perte des Grecs et des Troyens, simplement. Et aussi de la mort de sa mère, ça, ça revient très souvent. De la mort de sa mère, du déshonneur de sa fille. Et du déshonneur de Ménélas, malgré tout. Bon, que j'allais oublier. Mais euh, elle est très soucieuse, là encore, de son nom, et, et de, sa, de ce que les Grecs appelaient sa doxa, c'est-à-dire de, de sa réputation, si vous voulez. Et euh, donc, ou bien elle se désole parce que cette réputation est, le moins qu'on puisse dire, perdue, euh, ou bien elle ne veut qu'une chose, c'est retrouver son bon renom. Mais elle n'a pas, je, je, je ne crois pas, euh, qu'elle emploie jamais encore une fois ni le vocabulaire euh, de l'amour ni celui du désir ça c'est Paris qui a toujours le vocabulaire du désir vis-à-vis d'elle et euh, seulement euh, celui du, du regret de la patrie hein, c'était du, du regret de la, de la nostalgie au sens fort du mot, du, mal, du retour dans sa patrie euh, de l'exil le thème de l'exil est très, très présent euh, dans tous les tous les discours, encore une fois, il n'y en a pas beaucoup dans toutes les paroles d'Hélène. C'est une exilée, c'est une coupable. Euh, encore une fois, je, je ne pense pas du tout que ce soit une amoureuse. Si, vous, si on compare chez Homère par exemple, ces personnages très touchants que sont Chryséis et Briséis au début, les deux captives. Euh, bon, euh, est une amoureuse. Euh, quand on l'éloigne d'Achille, elle se retourne, elle lui elle, jette un long regard, elle parle. Bon, pas bah, Hélène. Hélène. En tout cas, Homer ne la peint pas, pas euh, comme une amoureuse, alors qu'encore une fois, il y a des, des femmes amoureuses chez Homer. Bon, évidemment, Briseis, évidemment aussi Andromaque. Alors tout à l'heure, vous avez parlé du rapt d'Hélène. Vous auriez pu employer par exemple le mot euh, d'enlèvement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas euh, formuler la question autrement Est-ce qu'elle ne pourrait pas se vivre en tant qu'otage d'un amoureux Chevaux, vous avez écrit un très beau livre sur les mémoires d'Hélène. Alors, ensemble, essayons de faire au fond le portrait d'Hélène, qui passe pour être très très belle et même pour la plus belle des femmes. Je crois qu'elle était très belle. Euh, je crois qu'elle aurait pu aussi sembler monstrueuse, tellement elle était différente. Alors, les Grecs avaient, avaient autant de la fable, autant de la mythologie, ce talent qui confine au génie grec, sans doute, de ne. De n'être tellement pas capable de pratiquer l'ostracisme que quand la beauté était si différente, ou quand la différence était si belle, on s'agenouillait, on disait que c'était divin. Et Hélène est devenue déesse parce qu'elle était blonde, dans un monde noiraud et rouquin, parce qu'elle était maigre et longue et fine avec des muscles fins. Et on parle de la, de la longueur des muscles de ses cuisses qui se rattachent sous la hanche, où on imagine les fuseaux, euh, dans un monde où on était petit, trapu, euh, un peu lourdeau. Et tout d'un coup, c'était une vision formidable. D'autant qu'elle a une jumelle, bien connue, qui s'appelle Clytemnestre, qui est grecque, qui est criarde, noireau, de poilu. C'est ainsi qu'elle est décrite par la fable. Et moi, j'ai relu pour écrire Hélène les poètes. J'ai commencé par Homère, j'ai relu tout ce que les Grecs avaient écrit sur Hélène, puis les Romains, puis jusqu'à Giraudoux. Il y a beaucoup de choses. Je me suis rendu compte à cette occasion que les érotiques grecs n'avaient jamais été traduits en français. Donc je suis remis à faire du grec ancien, ce n'était pas simple. Et là, j'ai découvert des hymnes à la différence, c'est-à-dire à la beauté par la différence, y compris sur le plan sensuel. Les choix sensuels d'Hélène étaient glorifiés parce que non semblables à ceux des Grecs. Ça aussi, c'est intéressant. Donc la beauté d'Hélène, c'est une grande, belle, blonde, fine, toute, toute menue. Et c'est sans doute aussi une transparence de carnation, c'est-à-dire quelque chose d'effectivement visible. Visible comme comme une Aphrodite. Alors elle, était, elle est une des grandes représentations de l'amour, et pourtant j'ai l'impression que l'amour qu'elle qu peut induire n'est pas simple. Alors comment est-ce qu'on pourrait essayer de remonter, euh, en, 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 en suivant son chemin d'initiation, essayer de remonter ses étapes dans, dans l'amour même Je crois que l'amour, ce n'est pas simple de toute façon. Dans votre question, l'initiation euh, d'Hélène, moi j'ai travaillé sur euh, les différentes périodes de la vie d'Hélène. Il y a un premier enlèvement dont on ne parle pas très souvent. En tout cas, quand on parle d'Hélène, on pense à l'enlèvement par Paris, où elle est quand même assez active, malgré tout, parce qu'elle est la reine et qu'elle a le pouvoir de dire oui ou non, malgré tout. C'est un enlèvement, c'est contre sa volonté. Mais l'enlèvement le plus, sans doute le plus important, c'est celui de Thésée. Parce que Thésée, c'est un personnage autrement important que Paris, surtout dans le monde grec, puisque Paris, ce n'est pas grec. Et il intervient parce que Hélène est déjà célèbre chez les Grecs, à cause de son précepteur, c'est Chiron, ce qui étymologiquement veut dire la main, le façonnage à la main. Et Hélène, née d'un œuf de cygne, Hélène, mythologiquement la fille de Zeus, Et à l'âge de la puberté, vers 10, 11 ans, faite à la main. Elle est. Ça donne la manipulation, ça donne tout ça, mais ça donne surtout cette technique extraordinaire qui passe de la tête au corps, ces corps sculptés quand même des athlètes grecs, et au plaisir, à la prise en charge de son propre plaisir manuel. La manipulation va jusque-là. Et l'apprentissage du corps et de l'esprit du corps se fait à ce stade-là. Et à partir de ce stade-là, on a la technique, on a le savoir, on n'a pas la pratique. Il s'écoule encore 10, 15, 20 ans avant qu'une femme ne devienne femme, c'est-à-dire ne sache prendre en charge son plaisir, son désir. Et de Chiron à Thésée, alors Chiron est le maître de Thésée, le maître d'Hélène, le maître de Castor Pollux, les frères jumeaux d'Hélène. Donc Thésée, averti par ça, enlève Hélène, la garde pendant un an chez sa mère, ce qui est quand même très... Très jolie, la preuve toujours que ces Grecs sont de grands enfants, ces petits garçons. On la confie à maman pour aller guerroyer. Et puis, bon, il y a la ronde des soupirants. À ce moment-là, Hélène voit tous les rois grecs autour d'elle la convoiter parce qu'elle est la reine d'un pays riche, parce que euh, parce qu'elle est belle, bon, parce que qu'il faut, faut marier les belles femmes comme ça. C'est une époque d'assouplissement des mœurs. Les déesses mères ne mangent plus leur mari tous les ans. Et. Donc elle va voir ce que c'est que la convoitise de l'objet, femme, comme ça. C'est pas toujours facile de remonter cette pente-là. Quand on épouse un monsieur qui vous a convoité comme un objet, ce qui est le cas d'Hélène avec Ménélas, il va falloir soit réapprendre à séduire le monsieur pour être séduite et pour avoir ce qui doit se passer dans l'amour, parce que là on ne peut pas parler d'amour, on parle de contrat. Bon, c'est le travail d'Hélène, ce travail aboutit que moindrement avec Ménélas, parce que c'est quand même une brute, un peu. Enfin, il, est, il est tel que la légende le décrit, un peu nunuche. Et Paris. Paris, c'est la dernière hum, barreau de l'échelle de l'initiation. Paris, c'est pas non plus un génie, c'est euh, sans doute une rencontre sensuelle importante, c'est quelque chose de, une révélation, mais ça, ça doit coïncider pas forcément avec le personnage de Paris, mais peut-être avec l'âge de la dame au moment de sa rencontre avec le monsieur et puis et après, alors il y a la découverte de, de soi-même. Quand on est passé par ces étapes-là, Hélène découvre Hélène. il faut découvrir ce qu'elle est, elle, en tant que reine de, de Troie. Euh, et on pourrait même dire, euh, dans la mesure où elle devient une sorte de, de tête politique. Elle a une stratégie politique. Bah, je crois qu'elle a une stratégie politique parce qu'elle parce qu est reine, et parce qu'il faut bien agir pour gérer ses royaumes, qui sont aux mains des femmes avant elle. C'est une tradition, sa, sa grand-mère est la Gorgone, c'est la période transitoire des déesses-mères, du passage au patriarcat. Hélène est vraiment la, le personnage de rupture. Après Hélène, il n'y aura plus jamais de femme née d'un œuf, c'est-à-dire d'avant la, la conscience des hommes d'être pour quelque chose dans la reproduction de l'espèce, quand même. Née d'un œuf de cygne, c'est qu'est-ce qui fait son père là-dedans Pas grand-chose. Alors oui, une autre question, c'est comment elle, elle est en tant que femme, de concilier la stratégie de l'amour et la stratégie politique. Je crois que ça s'apprend de concert, j'ai envie de dire. Et la stratégie de l'amour, c'est. Prendre et donner, c'est une forme de séduction. La stratégie du pouvoir devient. Mais Est-ce qu'elle donne? C'est un apprentissage qui dure des années. Se donner, je crois qu'elle commence avec Cassandre. Elle donne d'elle-même à Cassandre. Elle donne de son cœur. Elle donne de sa tendresse. Elle donne de son intelligence à Cassandre. Revenons quand même à Paris. Comment se donne-t-elle à Paris? Vous écrivez, et elle reste passive. Elle se donne pas. On la prend. Enfin, elle est enlevée par Paris. Elle est enlevée euh, physiquement, enlevée. Elle est contrainte physiquement. Qu'elle y découvre le plaisir. Euh, elle passe trois semaines, un mois, enfermée dans un bateau, dans le ventre d'un bateau, euh, avec un homme qui la désire, et dont le désir est très pédagogue. Euh, un désir d'homme bien exprimé devient, par réflexion, un désir de femme. Je dis bien exprimé. Hein. Euh, elle n'est pas violée par Paris. Elle est prise. C'est une nuance importante et, elle va, et je crois qu'à partir de cette première prise-là, elle va prendre le désir à son compte. Mais peu à peu, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait pas en de nuit en plus. Vous pensez que de manière inconsciente ou mentalement, Ménélas, le mari, est quelque part euh, sous le lit ou derrière le rideau, qu'il y aurait une sorte de... Euh, chez Hélène, une sorte de, de consentement du mari ou plus exactement qu'il y aurait une sorte de complicité entre Paris et Ménélas pour, pour faire tourner le triangle Moi je crois que c'est pire que ça. Il y a de, de Chiron en passant par Thésée, Paris, Ménélas, Achille, tous les hommes grecs, et Paris n'est pas grec, mais il est très grecifié par l'histoire, euh, sont des grands enfants en cours de récréation. Ils ont tous des culottes courtes, ils partagent exactement le, les mêmes impulsions fondamentales. Euh, ils sortent des jupes de leur mère, ils en sont à peine sortis, c'est des grands gamins. Et bon, le, pour moi, et j'ai vérifié depuis que je n'étais pas toute seule à penser ça, la guerre de Troie, il y en a eu 11, mais aucune n'a vraiment eu lieu, au sens où on n'allait pas chercher Hélène, mais euh, du grain et de l'or en Crimée, très haut là-bas, c'était le lieu de passage. Mais les Troyens ont encanaillé les Grecs pendant dix ans. Et ce siège, qui pas un vrai siège, c'est ce choc culturel monstrueux d'enfants de, de, en culottes courtes, encore une fois dans leur tête, qui sortent des maisons de leurs mères toutes puissantes, où les, où les pères n'ont pas droit à la cité, ils n'ont pas le droit de citer les pères à cette époque-là, et découvrent un monde où les prostituées, où les déesses dans les temples, les prêtresses des temples, sont des prostituées, où les sectes pullulent. Enfin, quelque chose qui nous est assez familier, comme... Odeur de décadence, ça un monde en pleine décadence, un monde où on travaille plus. Trois, alors que les Grecs sont en train de découvrir qu'on peut travailler, qu'on peut construire une cité. C'est un choc de, de, de deux mondes importants, et ces deux mondes, c'est le monde du pouvoir euh, féminin plein qui va se heurter, alors par ses fils, puisque c'est les fils qu'on envoie toujours dehors, un pouvoir patriarcal quasiment décadent. Il y a un vieux roi gâteux qui fait. Euh, la pluie et le beau temps à Troyes, où, où finalement tout s'écroule, tout se délite de l'intérieur parce qu'il n'y a plus de croyance en rien. Moi, je crois que c'est ce choc culturel qui fait qu'Hélène, qui est une femme, c'est-à-dire qui a l'intelligence du pouvoir depuis quelques siècles chez elle, va comprendre comment la corruption lente des esprits grecs se fait. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, cest l'apprentissage du pouvoir, bien sûr. L'apprentissage du pouvoir se fait au moment où le savoir de la séduction se transmet. Hélène sait comment faire maintenant sortir de Troie, elle n'a plus de problème. Elle, elle gère tout ça très bien. Elle a appris la civilisation au sens de, de, de la greffe. Alors Hélène est fondamentalement euh, reine de, de Troie. D'abord de Sparte. C'est la reine du Péloponnèse, la reine de Sparte. Et en tant que reine de Sparte, enlevée par Paris, on l'emmène en Troade, qui est quand même la, la porte des Dardanelles Asie mineure. Et là, elle devient reine. De fait, elle est amenée par le fils aîné, le très beau fils. Et là, dans une cité décadente, elle va occuper un pouvoir qui est, qui est vacant. Et un pouvoir de reine, ce que les autres femmes de Troie ne savent pas. Elles ne connaissent pas le pouvoir des femmes, les femmes de Troie. Donc elle, elle enseigne aux femmes de Troie l'exercice du pouvoir. Là, elle est, elle est reine partout. Et Ménélas, le petit mari, vient chercher sa femme, mais n'a pas le pouvoir de la reprendre. Il faut qu'elle se donne. On ne peut pas prendre Hélène. C'est pour ça que la prise est très symbolique, celle de Paris. Et après, Hélène ne sera que dans le partage. On revient quand même à la guerre de Troie, non Elle a un rôle fondamental. Bah, elle a un faux rôle. La guerre de Troie n'a pas eu lieu. En tout cas, pas celle d'Hélène. Ben, chez eu des Homer, cerf... quand même, elle est, elle est sur le rempart. Ah ben, chez Homer, c'est... Un... Homer a écrit une fable, une mythologie, dans laquelle il fait agir des héros déjà mythologiques à son époque. C'est-à-dire, on ne sait pas s'ils ont existé. Le masque d'Agamemnon qu'on peut voir en Grèce... Au musée d'Athènes est un masque qui était le masque royal. C'est-à-dire, on prenait un roi, tous les ans, on en changeait quand même. c'était Il y avait un turnover important dans les rois. Mais la reine était de droit divin. Et on lui mettait le masque doré. Et du coup, il avait l'air de L'air de ça suffit. Puisque de toute façon, on n'en fait pas un grand usage. Euh, les secrets agricoles, le secret de l'alphabet, tout ça, c'est les prêtresses. Hein. Ce n'est pas les hommes, c'est les femmes qui transmettent ces choses. C'est important. Donc les, les hommes ne meurent pas pour la beauté d'Hélène non, les hommes vivent pour la beauté d'Hélène, je trouve ça beaucoup plus exaltant. Ils vivent vraiment pour la beauté d'Hélène. Ils prennent plein de risques pour la beauté d'Hélène. Il y a un frère de Paris qui va cacher un enfant d'Hélène, qui va prendre le risque de le faire passer pour le sien. Il y a, contre la volonté de Paris, bien sûr, qui est à outre très vite, euh, les hommes comme Achille, avec qui Hélène a une, envie de dire, une aventure. C'est-à-dire qu'effectivement, pour la première fois de sa vie, dans le cas d'Achille, pendant le siège de Troie, euh, Hélène va amoureuse c'est la première fois de sa vie qu'elle éprouve un désir pour quelqu'un qui n'a pas manifesté le désir ni de l'enlever ni de la prendre ni de la violer ni de l'épouser rien et là c'est intéressant parce qu'on va voir hélène devenir acteur c'est à dire prendre en compte son désir et mettre en, mettre en branle le moyen de parvenir à son désir et après elle le fera mais dans des conditions moins moins dangereuses là elle est à trois elle passe pour une espionne enfin c'est un peu compliqué mais Là, c'est la première fois qu'Hélène est grande, une grande personne. Elle a mûri, elle sait que le désir de l'autre ne correspond pas forcément à son propre désir. Et la séduction est finalement quelque chose de l'ordre de l'enfance. On cesse de vouloir séduire quand on veut prendre. On veut prendre, on se donne les moyens, on, veut, on sait ce qu'on veut. J'avais, en regardant tes beaux yeux, enduré tant de flammes au cœur que plein de sécheresse. Ma langue était réduite en extrême détresse, Ayant de trop parler tout le corps altéré. L'or, tu fis apporter en ton vase doré De l'eau froide d'un puits, Et la soif qui me presse Me fit boire à l'endroit où tu bois, ma maîtresse, Quand ton vaisseau se voit de ta lèvre honorée. Mais le vase amoureux de ta bouche qu'il baise, En réchauffant ses bords du feu qu'il a reçu, Le garde en sa rondeur comme en une fournaise. Seulement au toucher, je l'ai bien aperçu. Comment pourrais-je vivre un quart d'heure à mon aise quand je sens contre moi l'eau se tourner en feu Au fond, Hélène vit le, le non désir et, le, et le, la non jouissance et le, 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 le non plaisir. Je crois qu'Hélène est très. C'est pour ça que c'est pour moi un archétype important et, et, et valable aujourd'hui encore. Enfin, qui... Hélène est un type de femme qui, nous... qui sert de phare et qui, fait... qui sert de phare toute l'Antiquité. Puisqu'il y a un culte qui est encore le 21 mai aujourd'hui, rendu à Hélène. Elle sert... Bon, on en a fait un symbole sexuel, on en a fait une image de l'amour, dites-vous. Je crois qu'on en a fait l'image de la salope, oui. Donc on a fait... On a un peu traîné Hélène dans la boue. En la traitant de salope et de symbole sexuel un peu facile, un peu frelaté. Des femmes qui demandent qu'on les viole, enfin, cette imagerie machiste qui intervient chez les latins avant elle est très honorable Hélène c'est uniquement quand on arrive dans ce monde martial et militariste euh, qu'est le monde romain que Hélène va prendre euh, un peu de, de plomb comme ça alors qu'elle est légère jusque là contrairement à Aphrodite à qui il faut vouer des cultes pas très enfin pas très intéressant Hélène est donc une image de l'éternel féminin un peu dévoyée par les romains mais les romains ils ont tout dévoyé sur leur passage donc il y a pas il n'y a pas grand-chose de la mythologie qui soit restée debout après les Romains, puis qui va renaître vers la vers renaissance italienne. On va retrouver des, des mythologies d'Hélène, tout d'un coup, qui, qui reprennent la légèreté. Elle est fille du cygne, il y a une légèreté formidable. Et c'est la légèreté aussi de, de l'élégance, de la désinvolture. On ne va pas s'apitoyer sur ces petits problèmes. Et moi, c'est ce que j'aime chez les Grecs, c'est ce que j'aime chez Hélène particulièrement, c'est cette extrême légèreté. Y compris par rapport à quelque chose qui est toujours compliqué, qui est déjà, chez les Grecs, nommé comme compliqué, qui est la sexualité, c'est vrai que ça n'est pas simple. C'est vrai qu'on n'a pas de solution. La solution, c'est le passage du temps. Et, et ce que dit Hélène, sauf à ce que Giraudoux lui fait dire, c'est la, la, la citation exacte, c'est Hector qui dit à Hélène Je vois, vous n'aimez pas Paris, vous aimez les hommes. Hélène répond Je ne les déteste pas, c'est agréable de les frotter contre soi, on en est toutes pures. Hélène n'a pas, pas de conscience du mal, la culpabilité n'existe pas. il a pas. Hélène passe au travers de ça et s'enrichit de cette expérience. Hélène regarde ses rides et dit que de belles années sont passées. Alors la, la légende veut que Hélène soit coupable et qu'elle soit à l'origine de la destruction de Troie. Alors la légende veut que soit coupable et de fait, dès qu'on est une grande amoureuse, dès qu'on a plusieurs amants... Vous connaissez beaucoup de femmes qui ne sont pas coupables au bout du deuxième ou du troisième mari, aujourd'hui, par exemple. Il y, y a plus grave que ça. Ce qui va abriter la fuite de Moïse, des Juifs d'Égypte, qui est l'éruption du Santorin, c'est-à-dire cet énorme cataclysme qui a lieu à la même époque que la fuite d'Hélène, sera attribué aux Juifs qui ont réussi à mettre un manteau de nuit pendant trois jours en basse Égypte, mais chez, dans tout le monde grec, dans tout le monde troyen, jusque en Italie, quand même, ça sera la fugue d'Hélène qui aura déclenché ce, ces trois nuits. C'est incroyable ce qu'elle porte comme péché. Elle porte tous les péchés des Juifs, quand même, là. C'est étonnant. Et, et ça dure très longtemps. Dans tous les écrits grecs, on, on lui reproche ce manteau de nuit qui, avec les connotations sexuelles de la nuit, en font une encore plus grande salope. Euh, trois jours de nuit, c'est formidable. Être capable de faire ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables. Enfin, chez les... Chez les... Chez les Grecs, on a des possibilités, on inverse la course du soleil quand même aussi. On est... Ils sont très doués, ces gens-là. Hélène reconnaît au fond de deux hommes, euh, principalement Ménélas et Paris. Est-ce qu'il y a, selon vous, des, des liens communs oui, Ou, des... Ou de grandes différences Non, Ménélas et Paris sont les deux hommes qui prennent, qui ont Hélène sans qu'Hélène les ait désirés. C'est-à-dire, c'est des deux propriétaires, C'est deux hommes qui vont se partager Hélène sans véritablement son consentement, encore que elle n'est pas contre. Elle ne soit pas contre longtemps après, en fait. Sur le coup, elle se laisse prendre, elle est petite, elle a 12, 13, 14 ans, elle ne sait pas trop. C'est pas trop, puis c'était pas ça, finalement. Alors, ce qui les caractérise, c'est d'être tous les deux des petits bourgeois, de vouloir avoir la plus belle femme, ils la veulent sous leurs bras, enfin, ils sont pas très malins, puis ils sont bêtes. L'un et l'autre, ils n'ont pas le sens politique, alors que Achille a le sens politique, alors que les, les autres êtres humains qu'Hélène rencontre ultérieurement, même Ulysse, qui est un sale type parce que c'est un avare, mais il a le sens politique très poussé. Non, Hélène est prise par deux hommes vaniteux et que leur vanité rend stupide. Mais là, c'est pareil. Alors ça, c'est vrai qu'ils ont tous les deux ça en commun. Et d'ailleurs, même là, j'ai homère avec moi. J'ai pas souvent parce que j'ai beaucoup. Dénéguer ce que disaient les poètes qui avaient fait des laines une salope et des autres évidemment des agneaux, ce qui m'énerve toujours parce que ça n'existe pas. Donc j'ai été voir pourquoi on l'a traînée dans la boue sitôt. C'est parce qu'elle a eu beaucoup d'hommes qui sont pas très malins. Retour dans les bras de Menela, son mari, est, est politique Ça relève d'une autre stratégie politique Oui, ça c'est le sens de la nation. Tout d'un coup, c'est la naissance de la nation. Euh, la Grèce naît du retour d'Hélène. Hélène pouvait ne pas rentrer. Hélène était reine de Sparte, mais elle était devenue reine de Troie. Hélène pouvait choisir Troie. Hélène choisit la Grèce, Hélène choisit la grandeur de la Grèce. Troie la... brûle. Troie brûle. Bon, elle n'y est, est pas étrangère non plus. Hein. Et euh, si Troie brûle, c'est aussi parce qu'elle voulait rentrer en Grèce. Elle aurait pu rester, elle choisissait de rester, trois brûlaient pas. Hein. On n'est pas venu la chercher comme ça, allez, allez. Tant pis pour les enfants de sixième, mais c'est pas vraiment ça. Non, non, elle rentre en Grèce pour fonder la Grèce. Il y a eu une unité qui s'est faite, et c'est intéressant. Tous les prétendants à la main d'Hélène, le jour de l'enlèvement d'Hélène, se sont réunis pour aller chercher Hélène. On ne va pas, ces gens se battaient entre eux de façon, comme mais... des gamins en cours de récréation, c'était mal. Tout d'un coup, on va fonder l'unité, la fédération grecque, de toutes les provinces. Et le retour d'Hélène, c'est mieux que cette fédération, c'est la nation. C'est vrai que la, la Grèce devient un État effectivement à partir de ces années-là. Un État patriarcal, elle a quand même un peu loupé son coup. Et puis elle va être chassée, et puis ça va pas bien se passer parce que on rentre pas impunément après un petit voyage pareil euh, dans un pays qui, qui a mal vécu ce départ quand même. Mais c'est vrai que les poètes parlent beaucoup de la saignée que ça représente. Tous ces hommes sont partis, ils sont restés à trois. Ils sont restés dans les bras des prostituées, ils sont restés, ils sont restés dans les maladies, beaucoup quand même, parce que euh, le mal de Naples, le petit mal, le mal des Ardents, c'est-à-dire la petite vérole, ou les équivalents syphilitiques de l'époque, c'est à trois qu'on les prend. Et les Grecs n'ont pas de maladie vénérienne avant trois, par exemple. Ce ces petites anecdotes assez amusantes. c'est n'est pas ce qu'on nous apprend à l'école, c'est dommage, parce qu'on s'en souviendrait mieux mais il y a comme ça des petites choses et donc il y a une saignée de d'hommes importantes donc il faut un peu repeupler la Grèce et tout d'un coup ce c'est pas des petits États qu'on repeuple c'est la Grèce la vraie Grèce la, presque la grande Grèce de plus tard pas encore mais ça vient bon ça va pas bien se passer non plus mais euh, mais le retour d'Hélène ça pourrait être la retraite d'Hélène c'est d'ailleurs chez tous les poètes la retraite normalement après c'est fini on veut plus entendre parler on passe à la génération d'après en quoi est-elle euh, moderne à toutes les générations, chez tous les écrivains, de d'Homère par exemple à Giraudoux en passant par Jouve, Shakespeare, Goethe, Marlowe ben, La liberté, la liberté d'une femme. Alors, tous les écrivains que vous avez cités, ça les épate quand même, ça, ils n'ont pas l'habitude. D'Homère à Shakespeare en passant par Giraudoux, ils ont des femmes soumises à côté d'eux qui leur font la, la tambouille pendant qu'ils écrivent des chefs-d'œuvre. Tout d'un coup. Dans leur chef doeuvre qu'est-ce qui glorifie une femme libre de son corps, libre de son pouvoir royal, libre de sa vie, qui en dispose comme elle veut, qui part faire de petits voyages, qui s'envoie en l'air à qui elle veut, quand elle. Enfin, je veux dire, c'est incroyable la liberté de cette femme-là par ces poètes-là. Tiens, la liberté des femmes sous Shakespeare. Je... Bon, euh, c'est vrai qu'Hélène redevient une vraie déesse à part entière simplement parce qu'elle est libre. Qu'elle a une liberté de mœurs simplement par l'accumulation de noms d'hommes accolés aux siens. Euh, Ce n'est pas très, très compliqué. Alors, sa modernité, c'est ça. Sa modernité, c'est le déplacement. Il y a peu de reines. S'il y a Aliénor d'Aquitaine qui va bouger comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Les reines, c'est immobile. Ça reste sur place. Ça exerce un pouvoir, plus ou moins bien, mais ça n'a pas cette mobilité étonnante d'Hélène. Qu'est-ce qu'il y a encore Il y a le, le rapport à la démocratie qui est une, la naissance de quelque chose d'important. Je crois que les, les poètes de tous les siècles après l'ont bien senti. C'est le moment où la Grèce se forme, et où la Grèce se forme avec les idées qui, qui font qu'aujourd'hui, quand on dit la Grèce, on pense démocratie. On ne pense pas du tout à c'est pas la physionomie des Grecs de l'époque. Tout le monde l'a oublié. Heureusement, ils n'étaient pas très beaux. Mais c'est une théorie, c'est des idées. Elle possède un rituel amoureux démocratique. Il y a des traces de ce rituel amoureux Non, rien n'est jamais démocratique dans l'amour. Il euh, y a quand même chez Hélène et ça c'est à mon sens une des vérités grecques. Et Nietzsche le comprend bien et les pré-socratiques sont clairs là-dessus. C'est la joie. Et Hélène est pleine, c'est un personnage qui est plein de cette joie-là, cette joie grecque, cette joie païenne, cette joie profonde, cette joie hum, philosophique. Cassin, la figure d'Hélène offre un, un parcours un peu singulier à travers la poésie, le théâtre, la littérature et même la mythologie. Alors, comment essayer ensemble de débrouiller, si vous voulez, cette figure extrêmement complexe et compliquée Oui, il y a un certain nombre de textes que j'aime et, et dont j'ai envie de partir pour expliquer qui est Hélène. Et l'un d'entre eux est l'éloge d'Hélène qu'a écrit Gorgias et qui est à peu près conservé. C'est un, un des premiers éloges. Et rien même que le genre de l'éloge et le fait qu'il s'agisse d'Hélène comme personnage, comme objet d'éloge, est déjà plein d'enseignement. Il explique qui est Hélène, mais tout le monde le sait. Et tout d'un coup, il la transforme. Il part d'une Hélène. Euh, L'Hélène de l'Iliade et le Lycée, l'Hélène homérique, qui est coupable d'avoir mis la Grèce à feu et à sang, d'avoir fait massacrer les Troyens, les Argiens, d'avoir quitté son mari, d'avoir suivi son amant. Enfin, bon, je veux dire, c'est une histoire banale, mais bon, un peu lourde. Et de cette lourdeur, il fait le symbole de l'innocence. Donc, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est coupable, et lui va mettre tout le monde d'accord pour dire qu'elle est innocente. Hélène est comme ça, d'emblée, et toujours et dans chaque point de son histoire, de sa personne, de sa naissance, de ses morts, c'est un personnage double. Et cette duplicité est d'autant plus paradigmatique, extraordinaire, qu'en fait, quand on la creuse un petit peu, c'est la duplicité entre une chose et son nom. Entre une ombre qui devient plus réelle, ou un nom qui devient plus réel que la chose et que la personne même. Alors, essayons justement d'interroger la duplicité. Comment est-ce que Homer parvient à dramatiser le personnage d'Hélène et même le noircir très, très, très profondément Et comment euh, Georgias parvient à transcender et à, et à faire d'Hélène un personnage de, de, de blancheur, de pureté Rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. L'Hélène d'homère n'est pas du tout toute noire. D'abord parce qu'elle est belle. Quand dans le grec, on sait que beau ça va avec bon et que le « dedans » va avec le « dehors » d'emblée, dans les mots même, « kalos kagatos »,« belle » et « bon ». Bon, euh, Hélène, en tant que belle, est déjà sauvée. Elle est belle, et cette beauté fait qu'elle est elle-même autre chose qu'elle-même. Elle, elle n'est pas belle d'une beauté de femme, ou plutôt toute femme est belle d'une beauté qui n'est pas une beauté de femme. Elle est belle d'une beauté de déesse. Alors euh, là, on peut faire venir un bout de mythe, si vous voulez, c'est-à-dire que, évidemment, c'est Zeus euh, qui euh, signe, poursuivi, etc., s'est débrouillé pour euh, faire un œuf à l'Éda. <laughs> Et puis, euh, aussi, peut-être, Zeus euh, aurait violé Némésis, une autre naissance d'Hélène qui est absolument terrifiante, puisque Némésis, c'est la vengeance, c'est ce qu'on peut imaginer de pire. Il faut être Zeus pour oser violer Némésis. Donc, Hélène est belle chez Homère. Et déjà en étant belle, elle est à la fois terriblement bénie entre toutes les femmes et terriblement fléau. Elle n'est ni noire ni blanche, elle est les deux. Et elle se dit face de chienne. Et il faudra Hermann Broch pour dire face de chienne amoureuse, ses yeux de chienne amoureuse. Mais ça, ça fait un peu Lily Marlene. C'est pas tout à fait ça dont il s'agit avec Hélène. Hélène est indissolublement belle à mourir. Seulement, justement, elle ne vieillit pas. C'est en ça qu'elle est immortelle, c'est que son visage ne garde aucune trace du temps. C'est un peu le baiser de la mort dans, la, dans le, le cinéma américain. <laughs> J'ai pas l'expérience. <laughs> Peut-être bien. En tout cas, Gorgias part des grosses évidences, je dirais des gros mots. Et la première phrase est une phrase qui contient tous les gros mots de la langue grecque. Cosmos, kalos, l'ordre, la beauté, la sagesse, euh, la cité. Euh, bon, chaque chose est dite en son mieux. Et pour le corps, son mieux, c'est kalos, la beauté. Et le contraire, c'est la cosmie. Une fois qu'on est tous d'accord là-dessus, on va pouvoir louer ce qui est louable et blâmer ce qui est blâmable. C'est comme ça que commence Gorgias, donc par un vaste appel au consensus. Et à ce moment-là, Ayant fait ainsi appel au consensus, il dit bien moi, je vais euh, vous montrer que tous ceux qui d'une seule voix, d'un seul cœur, d'une seule âme ont blâmé Hélène se sont trompés. Et il le montre en faisant aussi appel au consensus, c'est-à-dire en bouleversant le consensus, en proposant, si vous voulez, au lieu de la liturgie habituelle de l'éloge, ou plutôt juste en même temps que la liturgie habituelle de l'éloge, un espèce de happening qui fait transformer les valeurs et c'est cela l'éloge à la fois liturgie et happening et c'est cela hélène la meilleure et la pire alors hélène devient après gorgias pour de bon un objet d'éloge de louange lancé dans le monde jusqu'à offenbach par exemple et le procédé de gorgias est extrêmement simple il s'agit de creuser la culpabilité pour montrer que c'est l'innocence alors Hélène n'est pas coupable si c'est les dieux qui ont voulu euh, la faire enlever, évidemment, il euh, n'y a pas une femme qui peut résister euh, aux dieux. Elle n'est pas coupable non plus si c'est ce, ces gros bras de Paris qui a voulu l'enlever. Euh, aucune femme non plus ne peut résister à cette violence virile. Elle n'est pas coupable et là ça devient beaucoup plus intéressant. Elle n'est pas coupable si elle l'a écoutée, parce que si elle l'a écoutée, elle n'a pu que se laisser aller au charme des discours. Parce que le discours le logos c'est lui le maître tout-puissant le grand dynaste qui avec le corps le plus imperceptible le plus minuscule comme un atome arrive à produire les actes les plus divins à les parachever et donc personne ne résiste au logos et là non plus et enfin dernière hypothèse qui est la plus innocentante encore enfin dans la culpabilité elle n'est pas coupable si elle est tombée amoureuse du corps de Paris parce que euh, la vue présente des objets et on n'est pas fait pour résister aux objets que la vue présente c'est pas de sa faute si elle avait des yeux et c'est pas de sa faute si Paris était beau donc hélène est innocente sur toute la ligne et euh, elle est innocente en cela même qui la fait coupable c'est là où ça devient très intéressant mmh. Femme, euh, comment est-ce que vous comprenez son plaisir ou son désir ou son, son nonchalance amoureuse Est-ce qu'il y aurait un portrait d'elle comme femme amoureuse Oh, il y a plusieurs épisodes de, de l'Ial et de l'Odyssée où euh, il faut vraiment la forcer à aller retrouver Paris. Elle a la flemme. C'est pas ça qui l'intéresse au fond. C'est vrai qu'elle serait très bien avec Méné, avec Ménélas aussi. Elle serait très bien en train de faire la cuisine. Elle serait très bien en train d'être Pénélope. Euh, mais euh, là, je crois que, comme femme amoureuse, en lisant Gorgias et en lisant euh, Isocrate, ensuite, qui a écrit un autre éloge d'Hélène, et en continuant à lire euh, toute la tradition hellénique, euh, on ne peut pas ne pas arriver à Lacan. C'est aberrant et c'est rapide. On lit euh, l'éloge d'Hélène et on croit lire encore sur la sexualité féminine. Pourquoi parce que Hélène n'est jamais là où elle est. C'est un objet qui n'est jamais un objet présent. Bon, elle s'enfuit quand par exemple elle voit les guerriers combattre sous les remparts de Troie, elle voit les ces pays combattre, elle est auprès d'eux, elle retrahit tout de suite, elle trahit à l'instant même. Et enfin c'est là où il faut parler de duplicité et où il faut l'instruire vraiment. Elle est une chose et un nom et cette duplicité là est mise en scène par exemple avec un brio extravagant dans les de Ripide. dans le premier monologue euh, hélène se présente et on traduit euh, bêtement en français souvent je suis hélène pas du tout elle dit pas du tout ça elle dit on m'appelle hélène mon nom est hélène son nom est hélène et elle n'est pas Hélène. Son nom est Hélène, elle est double. Le nom qui est parti avec Paris chez les Troyens, ça c'est la nouvelle légende mise en place hein, très rapidement, elle est euh, partie euh, chez les Troyens en tant que nom et en tant que ombre, en tant qu'agalma. C'est pour ça qu'on arrive vite à Lacan, hein. on est dans l'objet petit à en plein. Donc, elle, en tant qu'objet petit A, elle est partie. Et on ne peut que la poursuivre. Mais c'est une idole, la idolone, faite de nuages, faite de nuées. Et celle qui est solide, le soma, le corps, il est resté en Égypte. Et là, elle attend, avec la plus grande vertu, en refusant les demandes en mariage bien saines qui lui sont faites. Non, non, elle attend. Alors, Ménélas débarque sur ce rivage, poussé par la tempête, et voit Hélène. Et il lui dit, oh, tu ressembles à quelqu'un que je connais, comment t'appelles-tu Hélène, oh, enfin c'est vraiment les misfits. Hélène lui dit, mais euh, tu ressembles à Ménélas, mais tu, 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 es, tu es mon mari, c'est toi. Ah mais non, non, je suis déjà mariée, dit Ménélas, je suis mariée avec Hélène. Mais où est-ce qu'elle est, Hélène Ah, mais Hélène, je l'ai ramenée de Troyes. Elle est là, dans une grotte profonde, et elle m'attend. À ce moment-là, euh, on s'aperçoit que le corps d'Hélène et sa beauté sont moins convaincants pour Ménélas, il le dit, que tout ce qu'il a souffert, que ses peines, les peines qu'il a endurées devant Ilion. Et c'est l'ombre qui gagne, c'est le nom Hélène qui gagne, et non pas le corps d'Hélène et sa beauté. Jusqu'à ce qu'interviennent... Euh, euh, un messager qui arrive pour dire que Hélène s'est évanouie dans les airs Hélène de la grotte, Hélène de l'antre alors euh, Hélène dit je te l'avais bien dit, c'est moi <laughs> et donc euh, finalement il y a une coïncidence pour un bref moment, pour une bref fin de pièce entre le nom d'Hélène et son corps mais on voit bien que c'est toujours le nom qui est prêt à gagner et toujours l'ombre, l'ombre et le nom, disait Montrelai. Mais C'était un beau titre. C'est tout à fait vrai. C'est ça. Hélène, c'est la chose sexuelle, comme disait Nicole Laureau, en tant qu'elle est l'ombre et le nom, en tant qu'elle n'est jamais là où elle est, jamais comme on croit, jamais son corps. Est-ce qu'il n'y a pas une obsession chez elle de la grotte ou de, de l'armoire ou du placard ou encore de la clandestinité Elle disparaît quand même très très souvent dans, dans tout ce qu'on peut dire d'elle, sur elle. Oui, elle, elle disparaît, mais je crois que sa première disparition, c'est dans son nom. C'est vraiment ça. D'ailleurs, il y a une phrase de, de la gamme M nom des Chils, où, on, où on évoque le nom d'Hélène et sa juste éponymie. Hélène, la perdeuse de ville, la perdeuse d'hommes, la perdeuse de navires. Hein. Et Hélénas, Célandros, et l'optolis Et on dit que c'est en Hélène que tu t'échappais, quittant les voiles de Grand Prix, etc. Mais et pourquoi t'as-t-elle partir clandestinement c'est à la demande de l'homme Pas à la demande d'un homme, je dirais plutôt parce que c'est là une femme. Et parce que, en tant que la femme, elle n'est pas une femme. Et que donc, on la trouve nulle part. Elle est vraiment là une. Je crois que c'est dans ça qu'elle est la chose sexuelle. Est-ce qu'il en fait quelque chose de la sexualité Giraudoux est très intéressant et très astucieux dans « La guerre de Troyes n'aura pas lieu ». Il fait parler Paris en disant « Moi, ce que j'aime dans Hélène, c'est son absence dans sa présence. Son absence dans sa présence vaut tout. J'en ai marre des femmes asiatiques, c'est de la glu. Plus elles se mettent nues, plus elles sont habillées. Leur nudité est un autre vêtement, etc. Au moins, Hélène me les fait toutes perdre. Et elle-même les vaut toutes, puisqu'elle n'est pas là. » Donc, ce à quoi la vision que Giraudeau à Hélène me renvoie, c'est un texte absolument génial, un petit bout de mer de l'Odyssée, je crois que c'est au livre 3, et Ménélas raconte à ce moment-là la valeur du lys. Et l'une des scènes qui montre la valeur du lys, c'est une scène qui montre vraiment la sexualité d'Hélène et qui est Hélène. Les Grecs étaient tous enfermés dans l'embuscade creuse dans le cheval. Hélène fait le tour du cheval qui est rentré à l'intérieur des murs, et elle trahit sans trahir d'une manière absolument extraordinaire, elle nomme... Chacun des Grecs qu'elle imagine être présent à l'intérieur par son nom, en imitant la voix de sa femme. Alors, euh, on imagine ces Grecs qui sont partis depuis longtemps, qui s'entendent appeler par leur femme, et ça c'est Hélène, et Hélène seule qui vaut euh, là une femme, qui les vaut toutes, comme la monnaie, comme le discours, vaut toutes les choses. Et euh, à ce moment-là, seule Ulysse leur dit, mais non, mais non, c'est Hélène, ne bougez pas. Et alors le pauvre Cornio qui veut quand même se lever parce qu'il ne le croit pas et Ulysse doit le baïonner, etc. Donc voilà Hélène, et voilà sa vraie ruse, voilà sa vraie sexualité, c'est vraiment elle les vaut toutes. visage d'Homère, ce, ce qu'il représente remonte la mémoire de à peu près de, de, de toutes les générations, enfin de tous les siècles jusqu'à Joux jusqu'à Giraudoux. Il a tout inventé, je veux dire que tout il y a il y a dans Homère de quoi de quoi instruire toutes les duplicités et en même temps, de quoi les faire à chaque fois à nouveau pivoter. Euh, Dion Chrysostome disait Tout le monde ne voit pas le même ciel, mais tous les Grecs, mais tout le monde a lu Homère. Et je crois que c'est vrai, c'est-à-dire qu'on a tous lu Homère, même quand on ne l'a pas lu, à travers tout ce, dans, tout ce dans quoi on a baigné, et même si on n'a pas été à l'école, alors qu'on ne voit pas tous le même ciel. Et. Bon, Hélène, euh, par exemple, il y a deux femmes homériques, hein. en, tout cas, en tout cas deux, Hélène et Pénélope. Mais les deux arrivent à basculer l'une dans l'autre assez vite, à se rejoindre assez vite. Hélène tisse et, et n'a pas vraiment envie de tromper son mari une fois que c'est fait. Et euh, Pénélope euh, euh, résiste, résiste, mais euh, quand tu lis, c'est là. Euh, il faut vraiment qu'il se fasse reconnaître. et bon, Enfin, il est vieux, il est pas... Et puis elle est vieille aussi. Bon. Euh, je, je ne sais pas, je crois qu'Homère a des bonnes raisons d'être partout. D'abord parce que c'est beau. Parce que les syntagmes qu'il invente, euh, Hélène au bras blanc Hélène face de chienne, sont là pour toujours. Quel est son rapport avec, euh, avec Troyes et avec Paris ben, C'est vraiment la barbarie. Il faut bien voir que euh, Hélène est Hélène. Hein Il y a une homophonie qui n'est pas du tout un hasard et dont, par exemple, Ripide se sert. Euh, C'est d'ailleurs comme ça que Hélène devient, à la fin de l'Hélène de, de Ripide, une petite île qui signale l'approche la, des côtes Hélène, hein, des côtes grecques. Euh, Bon, suivre, elle suit un barbare, un berger vêtu d'une peau de bête, en plus c'est absolument dégueulasse, c'est le prix d'un choix truqué. Et l'amour d'Hélène est le prix du choix, euh, choix truqué d'un berger, je veux dire, c'est un peu, c'est pas marrant. Bon, alors elle le suit parce que tous les dieux le veulent, elle... Euh moi, je suis très, très gorgienne. Je suis tout à fait convaincue par Gorgias. Je pense que, que Paris sentait le bouc, et ben, ça peut être bien, mais pas, pas, pas pour le suivre. Bon, et <laughs> donc euh, elle, elle arrive, elle arrive là-bas. Elle est quand même un fléau. D'accord, tout le monde se tait quand elle passe parce qu'elle est belle, mais elle est, on a quand même envie de la virer, de l'expulser, Pema, hors, hors des murailles. Bon, alors elle, elle, elle est là, et elle est obligée d'y rester. Et de euh, toute façon, quand, quand Paris meurt, elle, épu, elle épouse ses beaux-frères. Il, il y a un truc tribal euh, énorme là-dedans. Donc, euh, à mon avis, elle, elle a des bonnes raisons d'avoir tous les rapports ambivalents possibles avec Troyes. Quant à Paris, euh, euh, elle a pour lui du désir d'amour, mais quand elle entend le nom de son mari, elle, a, elle est à nouveau saisie par un désir d'amour pour, pour son premier amour. C'est pas vraiment Hélène de Troyes, c'est Hélène à 3 Il me semble que. Et Hélène est donc une héroïne sophistique parce que c'est un flatus vocis. Elle n'est elle vraiment que son nom. Elle n'est vraiment que ce, le discours qu'on tient sur elle, que ce qu'on dit d'elle. Et c'est pour ça que Gorgias peut terminer l'éloge d'Hélène en disant mon jouet. Donc Hélène est un mot, est un souffle. Et c'est en tant que un objet qui n'en est pas un qu'elle est. Héroïne lacanienne en même temps que sophistique et qu'elle est pour de bon, euh, enfin qu'elle colle pour de bon avec la description de la sexualité féminine que fait par exemple Lacan dans Encore. Et ça m'a toujours frappé et, à la fois l'intelligence de Lacan et, et en même temps euh, euh, cette espèce de, de chute à pic dans le rien. Euh, la sexualité féminine telle que la décrit encore, c'est bien simple, c'est trois propositions qui sont également, hein, enfin, qui sont exactement parallèles au chaudron de Freud. Hein, euh, euh, je ne vais pas emprunter de chaudron, de toute façon, je te l'ai rendu, puis de toute façon, quand tu me l'as prêté, il était déjà percé. Ça, c'est le traité du non-être de Gorgias aussi. C'est rien n'est, si c'est, euh, c'est inconnaissable, si c'est si c'est connaissable, c'est incommunicable. Eh bien, c'est la sexualité fémi féminine. Et c'est Hélène. Hélène, elle ne jouit pas. Si elle jouit, elle ne le sait pas. Si elle, si elle jouit et qu'elle le sait, elle ne peut pas le dire. Ça, c'est les trois propositions euh, qu'on peut tirer de encore sur la sexualité féminine. Eh bien, Hélène emblématise ces trois propositions absolument parfaitement. Oui, mais euh, où, où trouvez-vous les, les arguments du chaudron, par exemple, et de la non-judicience d'Hélène Eh bien, euh, pour euh, Voyez comment elle atterrit dans Giroudou, si j'ose dire. Euh, elle atterrit dans Giroudou avec... Euh, ah oui, le visage calme, ça je vous en réponds. Euh, Hélène euh, est réellement absente des bras de Paris. Et c'est cette absence qui fait qu'on l'aime. Torsion de la sexualité féminine. Elle ne jouit pas, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Bon, si elle jouit, elle ne le sait pas. De toute manière, ça... Euh, euh, toujours le même visage euh, impassible et elle, elle ne elle ne le sait pas parce que c'est paris sous Ménélas euh, peu, peu importe et peu importe parce que euh, elle est au fond elle n'est jamais si bien que quand elle est en train de de, de, de tisser dans sa chambre quelque chose comme ça qui, qui n'arrête pas de se dire euh, dans, dans chacune des scènes et enfin, euh, évidemment, elle ne va pas vous le dire, parce que si elle vous le disait, euh, vous ne l'aimeriez plus. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est en tant qu'elle ne, qu ne bouge pas, qu'aucun trait de son visage ne bouge, qu'elle est comme une immortelle, qu'elle est éternelle, et qu'à la limite, euh, elle ne vit pas non plus. Vous pensez que Paris, Menelas et Hélène constituent un, un triangle moderne enfin d'énergie de de dynamisme <laughs> ou bien un triangle qui se qui, qui est presque immobile le mari la femme et l'amant comment sortir de là ou comment y rentrer moi je pense que ce n'est rien ce sont des rôles c'est un jeu de rôle et c'est un et c'est un jeu c'est un jeu de mots euh, je ne vois là dedans aucun je veux dire c'est pauvre comme un délire c'est aussi génial et aussi pauvre qu'un délire. on ne peut être que, que pour lanti quand on, quand on imagine un triangle on ne peut être que pour ça. Je veux dire, c'est la seule chance de, de s'en sortir. C'est de la seule chance de trouver autre chose. Mais euh, euh, ce qui m'intéresse dans Hélène, c'est qu'elle dynamite le triangle. Parce que justement, euh, elle n'est rien, nulle part, personne. Elle est ce qu'on lui fait dire, ou elle est ce qu'on lui fait être quand on en parle. Donc ça, ça, ça dynamite un peu les objets euh, euh, structurés et structuraux. Un jour, sur la citadelle de Troie, ayant trouvé une pierre qui, lorsqu'on la frottait contre une autre, se couvrait de gouttes de sang, elle y reconnut un puissant aphrodisiaque et l'employa pour conserver à la passion de Paris toute son ardeur. Mais à la vérité, ce n'était pas seulement Paris. C'était Troie tout entière qui était amoureuse d'Hélène. Et Priam fit le serment de ne jamais la laisser partir. Selon un récit tout à fait différent, Hermès aurait volé Hélène sur l'ordre de Zeus et l'aurait confiée au roi d'Égypte Protée, tandis qu'un fantôme d'Hélène, fait avec des nuages par Héra ou selon certains par Protée, fut envoyé à Troyes, aux côtés de Paris, à seule fin de provoquer des dissensions. La jouissance est à l'heure. C'était alors comme une idole qu'à cette idole je m'unis. Ce fut un rêve seulement, et les mots l'expriment eux-mêmes. Je sens que je m'évanouis et deviens moi-même idole. Je cherche frévieusement dans une pensée elle-même un peu à garde, je m'arme d'une fantaisie sans comparaison. C'était quoi C'était Goethe ça Non, ça c'était Goethe et moi. Comment apparaît-elle pour la première fois, Hélène, dans, dans l'Iliade Hélène apparaît dans son palais en train de tisser une large pièce, un manteau euh, double de pourpre. Et dans cette euh, évocation euh, résonne l'autre apparition de Pénélope qui, elle aussi, euh, tisse. Hélène de Troie, Hélène de Sparte, Hélène du Mythe est femme de tête et tête politique. Son inconduite, elle quitte Ménélas son mari et se laisse enlever par Paris, peut avoir permis la naissance d'un monde, d'une autre civilisation. Les beautés d'Hélène sont aussi nombreuses que les récits qu'elles ont suscité. Par exemple, Troie tout entière était amoureuse d'Hélène et Priam fait le serment de ne jamais la laisser partir. Selon un récit tout à fait différent, Hermès aurait volé Hélène sur l'ordre de Zeus et l'aurait confiée au roi d'Égypte, tandis qu'un fantôme d'Hélène, fait de nuages, est envoyé à Troie aux côtés de Paris. Les troublantes beautés d'Hélène nous font découvrir les éléments d'un mythe authentique dans des légendes à première vue banales, mais reprises. Dramatisés dans des versions plus complètes ou plus révélatrices par un grand nombre de créateurs célèbres Homère, Euripide, Sénèque, Ovide, Virgile, Ronsard, Goethe, Joyce, Giraudoux, Jouve. Alors Dominique Rouge, qu'est-ce qui vous intéresse dans le personnage d'Hélène et surtout dans, dans les beautés d'Hélène bah, Les beautés d'Hélène, euh, on pourrait peut-être euh, distinguer ces euh, beautés réelles et les beautés plus, euh, plus irréelles, puisque vous le savez, euh, Hélène se dédouble. Il y a une Hélène réelle, celle qui est à l'origine de la guerre de Troie, et puis euh, vous connaissez le poète Stécycor. Qui, euh, relatant euh, l'histoire d'Hélène, fut à la suite de ce simple récit frappé de cécité. Ces C'est du moins ce que rapporte la, la légende. Et euh, cherchant une origine à son aveuglement, euh, il comprit que euh, l'histoire d'Hélène n'était pas celle qu'il avait racontée. Hein, que la cause de la guerre de Troie euh, n'était pas un corps euh, réel, mais c'était un, une sorte d'idole, de double, de fantôme. Et que l'Hélène réelle, elle se trouvait protégée en Égypte, où d'ailleurs Euripide, la fille, jouait un rôle dans une pièce tout à fait intéressante. Mais de manière imaginaire, comment essayer de, de montrer à voir, de donner à voir les beautés d'Hélène les beautés d'Hélène, celles qui pourraient me, me frapper, euh, comme étant un petit peu excentrique à notre sujet, mais en tout cas lui appartenant à mon sens euh, structurellement, serait cette, euh, cette apparition euh, à Simon le magicien euh, dans un lupanar de tir où elle était euh, reléguée à titre de prostituée. Elle était déchue de sa filiation divine et elle errait de femme en femme, de corps en corps. Et c'est cette image d'une un, reprise par l'Orient d'Hélène qui est à la cause, l'origine de notre histoire occidentale. Je vois un rééquilibrage au profit de l'Orient qui me fait un peu rêver. nudité de l'érotique Hélène. Toi, ma prière dans le plâtre et dans le vent, Sourire injure par-delà le rideau qui casse Femme trop belle, au delà du siècle qui passe Deuil, mémoire, herbe verte, Je suis retourné dans ta terre d'angoisse, et de superbe, et de douceur, Hélène. J'ai vu tes parois folles, argentées, se déchirer sur tes saules pleureurs. J'ai revu tes chairs malheureuses, avec les liens de la beauté aux jointures. J'ai revu les prairies, le géant châtaignier, les prairies et tout le sud au rire mort venir baiser le brillant funèbre de tes glaciers. J'ai revu ton baiser quand tu arquais sur le théâtre somptueux, les jambes jointes. Les promenades sur ces pays charnières des montagnes. Sont semblables à des déchirements de cœur, monstres doux, monstres durs que la vie annonçait. Qu'est-ce que vous pensez du triangle dont elle fait l'objet avec Ménélas et Paris c'est un triangle, effectivement, qu'il faudrait euh, sonder et essayer de, de comprendre euh, comment, structurellement, il paraît euh, nécessaire que Paris, euh, bien qu'enlevant Hélène, n'ait pas du tout les, les qualités du guerrier victorieux. Euh, mais paraissent au contraire un homme plutôt quoi Et d'ailleurs, Hélène souffre beaucoup de la réputation vraiment détestable de son, de son amant. Je suis assez sensible à une théorie qui veut que plus la beauté est parfaite et plus l'amour est difficile, plus le, le statut amoureux est, est très difficile à vivre. Je ne crois pas qu'on puisse impliquer euh, Hélène dans des histoires euh, d'amour. Ce sont plutôt des histoires de vengeance, si toutefois l'un exclut véritablement euh, l'autre. Euh, vous le savez, euh, tout à l'origine, dans l'intention de, de Zeus, euh, Hélène était euh, une sorte de de mécanismes régulateurs en vue de faire diminuer la, la race humaine qui proliférait d'une façon à ses yeux excessive. Qu'est-ce que Pierre Jeanjou va chercher du côté d'Hélène Est-ce qu'il va y chercher une sorte de volume d'inconscient de, Je crois qu'il va y chercher la grandeur dans la déchéance. Euh... Il me semble que cela fait assez bien partie de, sa, de son imaginaire. Et euh, j'ai pu lire dans, dans son Hélène ces, ces quelques mots qui me paraissent très suggestifs. La matière céleste est une, euh, mais illusoires sont les accidents célestes. Eh bien, je crois que Hélène n'est pas un accident. Qu'est-ce que c'est Il faut pas oublier qu'elle est une déesse. Une reine et aussi une femme. Hélène me paraît une fatalité. Elle apparaît au début de l'histoire, elle lui est consubstantielle et... Est-ce qu'en elle-même, du fait qu'elle est l'origine, le début, le commencement de, de l'humanité, est-ce qu'elle ne retient pas, est-ce qu'elle ne recèle pas en elle-même la réversibilité de ce principe En d'autres termes, est-ce que Hélène ne revient pas à la fin de l'histoire dans une révélation où nous verrons paraître son apparition première Hélène suscite l'amour et pourtant elle vit de bout en bout le non-plaisir et peut-être aussi le non-désir. Elle vit le dégoût d'elle-même. Elle porte un corps qu'elle ne supporte pas d'elle-même. Elle se trouve dans une position de déchéance par rapport à son propre désir, qui est à la fois son humanité et sa divinité. Oui, Dominique Rouge, comment vous le savez ça Qu'elle vit le dégoût d'elle-même Où est-ce écrit Toutes les femmes sont Hélène, Hélène n'est pas toutes les femmes et la femme n'est pas toute. Nous la rencontrons dans les diverses incarnations que nous croisons sur notre chemin et je le sais de ces expériences malheureuses. Dieu. Les troupes de cristal, la matière céleste, se sont réunies en haut du dernier jour. Les innombrables ombres d'Hélène voyagent sur ce pays poussé par le souffle de Dieu. Tout est profond, tout est sans faute et cristallin. Tout est vert, bleu, tout est joyeux et azurin. pour vous Lacan dirait, euh, elle est née, elle est née. On revient peut-être à, à Hélène et Troie, à l'échec d'Hélène et à l'échec de Troie. Il faut la voir euh, réapparaître dans une de ces... Euh, Suggestive image d'Homère, la plus célèbre, lorsqu'elle se promène en haut des remparts hein, et que les vieillards qui l'examinent jugent qu'elle est bien digne des, du sang qu'elle répand et que rien n'étanche. Il y a une sorte d'équation euh, sanglante dans le sang qui se répand à son sujet et qui ne parvient pas du tout à a, je dirais, combler la béance qu'elle ouvre. Comment est-ce qu'elle atterrit à Troyes Elle atterrit à, à, à Troyes, vous le savez, il s'agit de, de Paris qui, qui l'enlève au bras de, de Ménélas. Elle est donc emportée sur les, sur les nefs euh, troyennes. Devons-nous croire encore une fois le poète Stésicor qui prétend que sur ses nefs il s'agit seulement d'un fantôme Lorsqu'on lit les vies d'Hélène, le mot clandestin, clandestinité revient très souvent, un peu comme si euh, elle avait besoin d'appartenir à, à l'ombre ou à l'anonymat. Hélène est une femme euh, reléguée dans l'ombre, effectivement, euh, dans l'ombre d'un repli euh, honteux, d'un repli euh, douloureux. On l'imagine, euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans des euh, lieux retirés, dans les lupinards euh, tyriens, euh, dans des ports euh, excentriques. Euh, son apparition est toujours euh, entachée d'absence et. Euh, Lorsque Goethe, à un point tournant de l'histoire du mythe, la réévoque dans le second Faust, elle apparaît fascinante dans un miroir comme l'image dédoublée de toutes les femmes qu'elle suggère et qu'elle voit là. Est-ce que selon vous, Dominique Rouche, il y a une sorte de, de chemin initiatique qui pousse Hélène à rencontrer euh, ou à éviter euh, l'amour. Il y a une initiation en ce sens qu'il y a euh, une révélation finale relative à Hélène euh, dans les trajectoires, dans les aliénations diverses qui euh, scandent son parcours. Il est certain que, enfin, à la fin de l'histoire, Hélène se révèle. Et je dirais, en reprenant, mais en déviant un peu, euh, ce que Nicole Laureau évoque à propos d'Hélène, à savoir le fantôme sexuel, pour ma part, je dirais Hélène, épithumia. Ça dire quoi ça le... c'est le, le désir. Ce n'est pas le fantôme du désir, c'est le désir. Et pourrait-on dire le retour éternel du désir non mais qu'est-ce qu'il faut entendre par fantôme sexuel Que Hélène porte un corps qu'elle ne supporte pas, et que dans cette dans cette refente, euh, j'y capturais le, le désir, et que le désir attend sa fin dans une jouissance toujours euh, décevante et toujours euh, promise à nouveau. Quand... Quelle est la fin d'Hélène après Troie quel, quel est son destin Son destin d'abord après le, la mort de, de Paris, c'est d'épouser le frère de Paris, Déiphobe. Ensuite de quoi Ménélas vient la reprendre et euh, elle ne peut être veuve évidemment et elle reprend sa, sa vie de reine aux côtés de, de Ménélas. Elle devient mère même, je crois, euh, d'Hermione. Et euh, apparemment, euh, la Convention l'engloutit. La, Est-ce que vous pourriez faire le double portrait de Paris et de Ménélas pour un peu indiquer les, les différences de l'un à l'autre Essentiellement, la différence est une différence de valeur guerrière. Euh, Paris, c'est un coire, est un homme qui se dérobe ménélas au contraire est un guerrier assez valeureux même si dans sa valeur on peut noter quelques hésitations sur sa force est-ce que vous voyez une sorte de rapport entre hélène et ses fantasmes et ce fameux cheval de troie il est certain qu'il y a dans le cheval de troie un simulacre puisqu'il s'agit d'un piège trompeur, et que euh, le corps d'Hélène nous apparaît lui aussi comme une sorte d'appât euh, magique recélant une, euh, une hostilité extrêmement agressive. En ce sens, il s'agit d'un piège euh, tout à fait efficace. Donc de double piège. Absolument. Un, un piège amoureux et un piège guerrier. Il ne semble pas que l'on puisse vraiment euh, dissocier ce qui est amoureux de ce qui est euh, guerrier dans cette affaire. Euh, le sang répandu des soldats euh, rejoint les, les blessures et les coups euh, échangés dans l'amour, et il ne l'épuise pas. Le mal que j'ai causé, je ne dois pas le punir. Malheur à moi. Quelle implacable destinée me poursuit donc, pour que partout j'égare à ce point le cœur des hommes qui ne respectent plus ni eux-mêmes, ni rien de ce qui est honorable. Par le rapte, la séduction, le combat, le transportant d'un lieu à l'autre. Demi-dieux, héros, dieux, démons même ont entraîné ça et là dans l'erreur. Figure simple, j'ai troublé le monde. Double, encore davantage. Triple, quadruple maintenant. J'apporte malheur sur malheur. Commençons peut-être par euh, Platon qui... Au début du Phèdre, évoque la personne, la figure d'Hélène. Il y a, dit-il, pour toutes les fautes en matière de mythologie, une antique purification. Homère ne l'a pas connue, mais Stessicor, privé de la vue pour avoir médit d'Hélène, il ne fut pas, comme Homère, incapable d'exprimer ce mal. Il était inspiré des muses, il comprit la cause et fit aussitôt ses vers. Aucune vérité dans un pareil langage, non. Tu ne monteras point sur les nefs bien pontées, non, les remparts troyens ne t'ont pas accueilli. Quand il eut composé toute cette palinodie, il recova la vue sur le champ. Comment est-ce que vous euh, comprenez le fait que le personnage d'Hélène remonte un peu euh, toutes les générations et, et tous les siècles et à peu près tous les auteurs, enfin, d'Homère par exemple à, à Jouve Il y a effectivement une récurrence de la figure d'Hélène. On peut l'identifier à une force symbolique, celle que, que Nietzsche rêvait dans son éternel retour du même. Cette récurrence est une récurrence vide de cause, mais incarnée dans un corps qui s'évanouit à l'instant d'être saisi. De là qu'elle réapparaisse dans divers avatars et qu'elle épuise en elle-même l'histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose de confortable pour un écrivain dans le personnage d'Hélène, dans la beauté d'Hélène ou dans la fiction d'Hélène Il y a quelque chose de, de réconfortant en ce sens que. Euh, Hélène est une fin où il trouve le repos d'une recherche un peu hagarde et fiévreuse. Et elle apparaît comme une figure à la fois première, comme la cause du désir, et comme un fantôme dernier, comme l'extinction du désir. Mais Iris, à son tour, vient en messagère trouver Hélène au bras blanc. Elle a pris les traits de sa belle-sœur, l'épouse du fils d'Anténor, et elle trouve Hélène, en son palais, en train de tisser une large pièce, un manteau double de pourpre. Elle y trace les épreuves des Troyens, dompteurs de cavale, et des Achéens, à cotte de bronze, les multiples épreuves qu'ils ont subies pour elle, sous les coups d'Arès. Iris, au pied rapide, s'approche d'elle et dit Viens, ma chère. Viens voir. L'histoire est incroyable. Les Troyens, dompteurs de cavale, et les Achéens à côte de bronze, jusqu'ici dans la plaine, allaient, portant les uns contre les autres l'arès, source de pleurs. Ils ne songeaient qu'à la guerre exécrable. Les voilà maintenant assis, muets. La bataille a pris fin. Ils s'appuient à leurs boucliers. Leurs longues javelines près d'eux sont fichées en terre. Alexandre et Ménélas, chéris d'Arès, vont ensemble, pour t'avoir, combattre de leurs longues piques et l'on t'appellera la femme de celui qui aura vaincu. Ainsi dit la déesse, et elle met au cœur d'Hélène le doux désir de son premier époux, de sa ville, de ses parents. Vite, elle se couvre d'un long voile blanc et elle sort de sa chambre en versant de tendres pleurs. Or, Priam, Panthos et Timoïtes sont là, qui siègent en conseil des anciens. L'âge pour eux a mis fin à la guerre, mais ce sont de beaux discoureurs. On dirait des cigales qui, dans le bois, sur un arbre, font entendre leur voix charmante. Tels sont les chefs troyens, siégeant sur le rempart. Ils voient Hélène monter sur le rempart, et à voix basse, ils échangent des mots ailés. Dominique Rouge, comment avez-vous rencontré la figure d'Hélène je l'ai rencontré comme tous les lecteurs. Son apparition sur les remparts de Troie m'a pétrifié, comme pourrait pétrifier aussi la figure de Pandore, avec laquelle elle entretient des, des rapports de, de connivence, de ressemblance. Par la suite, j'ai appris à nommer Hélène dans des avatars divers. Mais ce que je pourrais avoir à en dire de plus centrale serait ceci. Hélène, elle se porte elle-même comme une nécessité qu'elle ne partage pas. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé en vous Qu'est-ce que la figure d'Hélène a trouvé en vous Elle a trouvé un leurre, une duplication un peu vide, un homme absent de lui-même. Et c'est dans cette euh, division qu'elle me provoque. Est-ce qu'on peut imaginer euh, une sorte d'école de l'amour euh, euh, issue de, de l'expérience euh, amoureuse d'Hélène Tous les hommes pourraient effectivement euh, défiler... Euh... Non, non, j'arrive pas. Il y a Hélène et aussi le, le, le cercle des prétendants. Alors qu'est-ce qu'elle peut en faire Elle peut les faire revenir euh, dans un passage euh, régulier. Non, je ne peux pas du tout parler.